Yo les gens, désolé pour les petits retards, c'est mercredi. Le café ce matin va se terminer, The Stick of Truth. Donc voilà, on va peut-être faire les news un peu plus tard. Vas-y Yamato, mets le jour, on fera les news un peu plus tard vu qu'il y a une urgence à l'arena. Ça marche? Ou alors, il est déjà parti. Ok, il est déjà parti, merde. Alors, t'inquiétez pas, je lance le jeu, les news, on verra ça après. Alors attendez, c'est quoi la scène? Parce qu'en fait, il y a une urgence à l'arena, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, je lance juste le jeu. Merde. Là, vous avez le son du jeu normalement. Attendez, est-ce que vous avez le son du jeu? Là, attends, je sais pas s'il y a du son. Bref. Il y a le son, c'est parfait. Bon, au moins là, on se le joue, on fera les news un peu plus tard, c'est pas grave. Enfin, il y a une news surtout. Donc, quand on arrive à la fin, on voulait péter la gueule à Clyde. Donc là. Ouais, c'était pour le levier. Ok, donc là, il faut frapper un truc. Ah, vous faire un P, à mon avis, qui pète. Vous pouvez voir qu'il y a une trace un peu verte. Un P qui pète. Non, je vais pas faire ça du tout. Hop. Poussière de gnome, et je veux faire, c'est le Nagasaki. Et hop, là on fait le petit P qui va. Et le malheureux Perkov qui est malheureusement l'une des seules personnes pendant la télé que j'avais vraiment une sympathie personnellement. Quelqu'un qui avait des convictions, qui était malin, qui savait parler et qui était très cool, enfin qui était très cool à regarder en tout cas. Putain, mais la bonne fréquence. En fait, les autres jeux ne sont pas à la même fréquence. Voilà, c'est bon. Ah, ça a pété. Là, ça a pété. Allez, mais explose, caillou de merde. Ah, là, c'est bon. Voilà, le pont-levis est cassé avec mon Nagasaki. Énigme, il faut péter le truc. Non, j'arrête pas à filer dessus, ça me casse les couilles. Donc là, je pense qu'il faut tirer sur la cible. Incroyable, ou pas? Attendez, réfléchis. Non mais j'aime bien ces phases-là un peu poténiclique où il faut réfléchir pour éviter les combats, enfin éviter les combats. Bon, c'est assez bien foutu quand même dans le jeu. Ça me fait un peu plaisir que ça se termine quand même le jeu, on avait passé un bon moment dessus en tout cas. Ah, si je l'ai désactivé. Ouais mais si je fais ça ils ont plus de courant, enfin ils se prennent plus le coup dans les éclairs dans la gueule quoi. Alors si je fais l'arc là-bas je peux pas. Ce qu'on va bien faire, c'est les électrocuter, simplement. Bon, il y en a un qui est assommé, déjà, très bien. Faut faire quoi, on peut rien faire d'autre? Ouais, bon, bah, le dernier, on va le faire le combat à la régulière, de toute façon. Tant que c'est pas des zombies, tout va bien. Oui, je suis vers la fin. J'espère pas que ça va durer en 30 minutes, surtout, quoi. Très drôle, mais il était très drôle, c'est quelqu'un qui savait parler. On n'en a plus qu'un sur deux. La victoire ou la mort. Wow. Allez, pour faire le kata, ça va faire mal à mon avis sur lui. Voilà. Enflammé mon gars. Et le morceau de Butters. Voilà, bon bah très bien. Peut-être changer l'armure finalement pour un truc encore plus vénère, encore plus solide. 124, bon avec les USB. Mais, ah putain! Et on avance. Ouais, c'est vrai que ça passe à l'heure, sinon on pourra faire un autre jeu derrière. Je sais pas s'il y a New Game Plus, au pire. Fléchette de pelouse. La cible se met à saigner, attaque parfaite. C'est pas mauvais. Attaque renforcée en début de combat. Ah, c'est pas mal ça. Limo de pain au chocolat. Sur Twitch? Attendez, comment je peux faire? Putain, mais comment je peux faire? Putain, faut que je trouve un passe. Ah, peut-être que si je pète en haut, ça va le faire. Ça va, ouais, je vais péter en haut. Le sort de flatulence. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oh non, il faut que je fasse le suintement sournois. Ah, ça marche pas, putain. Et comment je fais alors?
Là, faut trouver le bon timing et tu passes en dessous. Comment je peux faire? Ah, peut-être que je peux les... Attends, peut-être que maintenant que j'ai cassé tout, je peux les attirer comme ça. Regarde, je les attire par là, juste ici. Ouais, ils vont là, et là, ils vont se faire péter la gueule. Yes. Voilà. Alors, je sais pas si c'était prévu comme ça, mais ça marche. Hein. Si finalement... Ah, le Chupa câblé. Réduit armure de la cible de 100. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Et ouais, du coup, j'ai tiré. Je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire, mais ça marchait, donc je m'en bats les couilles. Hop. Comment on fait pour attirer? Non, mais je peux pas tirer là-dessus. Ah, si. Il faut toucher le petit point en haut. Le baril, quel baril? Oula, 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 non, mais casse-toi, moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils arrivent, mes alliés. Il est stun. Voilà. S'occuper de lui. Ah oui, il y a 4 d'armure. On va le terminer, le sauvage, à mon avis. 1, 2, et le coup fort, voilà. Il a enflammé. Le marteau de Butters. Ah, un poil trop tôt. Mais au pire, il va mourir de feu, voilà. Pour la horde. Putain, ils font tellement mal, les ennemis, c'est ouf, quoi. Il a une armure. Le chakram, c'est bien contre l'armure ou pas? Je sais plus. On va tenter. Ah merde, vu qu'il était... Ah non, c'était une lâchée que j'ai fait. C'était une lâchée car en fait, il fait qu'une attaque. Enfin, il fait des attaques qui rebondissent sur les autres. Et s'il est seul, bah, ça sert à rien. Allez, le marteau, t'es vénère. Putain, il est tellement vénère. Ah bah, il meurt. Parfait. Il est pas mort, lui? Ah, il est quasiment zéro vital. Allez, 1, 2... Putain, sans regarder, bien sûr. Le petit roi, pas con. Est-ce qu'on peut passer à l'intérieur en souris? Je vais essayer ça. N'importe ce que j'ai récupéré les loot là-dessus. J'ai rien récupéré. Non, je pouvais pas trouver les mecs qui me tiraient dessus. Hop. On va essayer de faire ça. Ah, putain, j'ai l'impression que la droite a un petit problème sur la manette. C'est comme si, des fois, je pouvais pas passer. Ah, c'est pas con, ça. Le petit trou pour la boule de bowling. Ah, merde. Je sais pas si c'est le chemin normal ou c'est un chemin annexe. Attends, regardez. Voir d'abord, qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah, il y a peut-être plusieurs chemins, finalement. On peut passer dans le trou, là, aussi. Ouah, il y a plein de petits chemins. Alors, il sert à rien, mais il y a plein de petits chemins. C'est bon, ce qui vient d'arriver. Et si je pète, il se passe quoi, là? Attendez. J'ai envie de péter en plus dans la vraie vie. C'est un chemin annexe, ok. Ok, c'est bien foutu, enfin. Par contre, ça me fait... Enfin, je vais pas dire que le jeu était court, hein, parce qu'on a fait quoi 5 matchs dessus, on est à la 6ème. Donc 10 heures de durée de vie, on a fait quasiment... Par contre, ça manquait, ouais, de grosses quêtes annexes, quand même, je trouvais. Ah, les rats nazis. Bon. Avouons que j'ai la flemme, les plaies d'Égypte. Voilà, et ça décède. Voilà. Bon, maintenant, c'est des frères, maintenant, les gnomeurs de slip. Ah, il a mal, donc ouais, il faut que je... Ce petit bonhomme LED. Non mais comment ça? Qu'est-ce qu'il fait, Butters? Butters? Tu fais quoi? Butters! Oh, attends, on va choisir l'allié. Peut-être qu'il y a un bug. Parce que je me dis que finalement, j'ai besoin d'un soigneur. Hop. Bah aide-le.
Mais sérieusement, bah putain, faut faire quoi? Vise le doigt. Your word is the command, my lord. Ah, attendez, hop. Yeah, ah, faut être devant, putain, sérieusement quoi. Qu'est-ce qu'il fait à ce rat? Il lui botte le cul. Patch du conseil de l'industrie laitière. Oh, 5 PP à chaque tour, c'est craqué comme truc ça. Si je veux faire full magie, c'est bien craqué. Il y a un bug. Pourquoi il y a encore le doigt? Ah, et du coup, on peut passer par là. Et on revient par dehors. Putain, c'est... C'est malin quand même, oui. Je crois que le jeu bug, là, on est d'accord, là. J'ai encore le doigt, il y a Butters qui fait en mode « Hey, tout ce que tu veux !» Ça me ruse un petit peu, là. Du coup, on arrive là. Ok, ça... Bon, ça servit à rien. Bon, j'ai quand même eu un badge en plus, hein, mais... Bon, au moins, il y a le mérite d'avoir plusieurs passages. Ça, on peut pas enlever ça au jeu. Il y a plusieurs passages possibles. Oh non! Putain, faut que j'arrête d'appuyer comme un taré là-dessus. C'est Dark Souls, mon gars. Bon, en parlant de ça, j'ai des bonnes nouvelles. Oh putain! Il y a des chances qu'on continue Dark Souls 2 et le 3 derrière. Oh bah là, 6 ennemis, pas d'embrouille, plaie d'Egypte. Et encore un petit crachat, voilà. Il reste quoi? Et bon, là, on va faire le professeur que. Je suis ce petit bonhomme. Ces Butters sont quasiment morts. Yeah. Mais ouais, du coup, il y a des chances qu'on continue. En cop, non, Karate, j'ai arrêté de regarder. Moi, ça m'a saoulé. Allez hop, on a un bouclier, ils vont mourir par les saignements. Voilà. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? À la limite, j'ai tellement de magie que je peux en faire plein en fait. Ah oui, en fait, tant que je touche... Ah oui, pour le nombre d'ennemis que je touche, je gagne des trucs. Ah mais c'est craqué en fait. Ou alors c'est peut-être le bouclier qui m'a donné tant de magie. Ouais, ils vont mourir là. On termine avec le marteau. Voilà. Pourquoi j'ai pour gagner autant de magie, sérieusement? Et là, paf, il décède à faire rapporter du XP, j'espère quand même là. Seulement 124, putain, vous êtes sérieux les mecs? Voyons voir. Vas-y, je peux pas améliorer vite fait mon stuff. Inventaire. Les nouveaux amis, très bien. Osef. N'oublie pas Nagasaki. Je fais toujours le même rêve, je suis dans un cozy qui devient de plus en plus chaud et puis je me réveille couvert d'excrétions de carapace. Une expédition de chasse prévue quelques semaines, tu vas venir? Demande à tes vieux, on va se marrer, grenade fonctionnelle. Ouais, parce que limite, le truc de Valkyrie, c'est une meilleure armure. Et quand je tue des ennemis, ça va me créer des boosts. Mais après le truc, c'est qu'il faut que je tombe sur plein d'ennemis de zone comme ça. Oh, il y a un truc là. C'est quoi ça? Non, ça. Une chauve-souris, très bien. Bon, énigme. On a tué tout le monde. Ah bah, faut faire le Nagasaki encore. On peut voir que quand c'est vert, en fait... Voilà. Avec Nagasaki, on voit qu'on sévère en fait. Pour pouvoir prendre. Ok. Putain, j'espère pas que ça va se terminer dans une heure. J'aurai un peu le seum quand même. Enfin, on va retrouver un autre jeu, puis on fera du SF5, hein, on vient de vous dire. On va prendre la tour d'assaut et trouver le portail pour entrer dans le port de Clyde. Le pirate somalien.
Allez, vas-y, fais un. Non, c'est pas ça qu'il faut qu'on me foute, c'est. C'est le cul dragon. Voilà. Paratonnerre ajoute 100 de foudre. Oh, c'est pas mal ça. Mon Nagasaki là. Ouh, la bonne fréquence, c'est bon. Là, ça vibre. Allez, putain, mais. Ah là, c'est bon. Voilà. Merci. Qu'est-ce que le chevalier ? 4 points d'armure, confère 2 boucliers lorsque assommé l'ennemi. Ah ! Assommé, c'est-à-dire quand je stun. Et il y a un truc derrière. On s'en bat les couilles. Lui avec ça, une potion de vitesse. Là, il y a quoi comme. Ah, je prends. Allez, je sais ce que je vais faire. Je vais me prendre la sonde anale, bien sûr. Je me TP. Bah, ici. Ou ça, là. Ensuite. Est-ce que je peux faire un prout pour. Non, c'est ça que je veux. Pour faire péter ça. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Je tente de trouver le truc qu'il faut faire. Si je fais. Non, pas ça. Si je fais le tir là-dessus, non, ça marche pas. Au pire. Papa, c'est par là. Où est-ce qu'il faut que j'aille finalement? Au-dessus? Ah, mais il y a chaussures! Mais voilà pourquoi il y a donné. Ah, chaussures! Le meilleur Shin Pokémon, c'est un peu le. C'est le meilleur starter. Hein. Son chaussure, c'est le meilleur starter. Hein. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Hein. Ce sont les vrais Shin Poko, les maîtres Shin Poko Extramon le savent. Le meilleur starter, c'est chaussures. Hein. Alors comment je vais les récupérer? Est-ce que je peux passer par la gauche éventuellement? Juste là. Ouais, je peux. Meilleur starter, chaussure, un meilleur starter. Les gens diront oui, la 4G c'est pas la meilleure, mais quand même, chaussure, c'est le meilleur starter de la première G. Hein. Bon, les mecs mauvais, ils diraient Kichu Mirumi c'est le meilleur, mais franchement, chaussure, c'est un main. Hein. C'est un main. Galette. Putain, stack de merde. Et il crame. Attaque réduite, je suis en sang. Vas-y, on va faire la serpe hébraïque. J'enlève l'armure et ça saigne. Très très pratique ça. Et on termine avec le marteau dans la yogue. Voilà. Merci bien monsieur. Madame plutôt. C'est une persécutrice. Ah voilà. Alors du coup, on chope le stuff. Vieux gant de baseball. La couronne. Oh, 400 d'armure ignorée, ça on va le prendre. Hein. Mais le truc c'est quoi si je dois faire ça? Alors attendez. Est-ce que c'est un. Je présume que c'est un truc d'arme, pas un truc d'armure. Parce que le problème c'est que si je fais ça, je perds mon truc de feu. Et c'est dommage, je perds un truc de feu. Ah putain, 400 d'armure quand même, 400 d'armure qui sont ignorées. Mais le feu, c'est craqué quoi. C'est dommage qu'il n'y ait quasiment qu'une seule arme que j'ai eue qui faisait 2 slots. Ah, même ça, vous voyez, toutes les dernières armes, il n'y a toujours qu'un slot et c'est un peu dommage. Ouais, ça aussi. Ouais, ouais, c'est. C'est frustrant. C'est frustrant de ça. 400 d'écœurement, ouais. Qu'est-ce que c'est du chevalier? J'ai pas tout le set du chevalier, j'ai quoi? Valkyrie, ouais, il manque juste quand même le truc de chevalier pour avoir le set complet. Mais sur le projectile peut-être? Ouais, je sais pas, c'est. Je vais faire, parce que non, je vais prendre. Est-ce que je sais ce que je vais faire? Je vais prendre les grenades, ça. En cas de ouais, ralenti, jusqu'à la moitié des dégâts. Ou non, où est les tampons usagés là? Voilà, les grenades empoisonnées. 50 x 6 qui font 250. Ça peut être pas mal ça, car en fait ça va réduire à chaque fois. En fait ça va faire du. C'est quoi, de l'écœurement? Ouais, ça va faire de l'écœurement. Et avec ça, je vais mettre le truc qui réduit l'armure. Voilà, comme ça,
Ignore. Ah, mais c'est ignore, ça paraît, c'est pas réduit. Ignore, ouais. Ouais, c'est dommage, ouais. En fait, il y a plein de strates qui sont intéressantes. Au pire, on peut faire le gel. Réduit l'armure de la cible de 100. Ça, ça peut être pas mal, ça, par contre. Parce que du coup, je peux faire, alors je sais pas, peut-être 6 fois moins 100. Je tente, hein, je pile des trucs. Hein. En plus, ça fait quand même 250 d'écœurement, ce qui est quand même pas dégueulasse. Ah, des vaches pirates, putain, non, des vaches nazies. Ok, comment je vais faire? Est-ce que je peux me téléporter? Il n'y a pas de sonde anale. Bon, il y a du feu, donc je peux faire un prout. Allez, non, d'abord, je tire dessus. Voilà. Et après, je fais du feu. Voilà. Qui est Nagasaki? Alors, sur quoi Nagasaki? Je vois pas de truc vert à péter, en fait. Ah, peut-être sur la droite avec Ike. Ah merde, j'ai mis trop de temps en fait. Et du coup, il arrive. Bon, c'est pas grave. Hein. Aptitude, plaie d'Egypte, hein. Pas d'embrouille. Voilà, ils sont au feu, empoisonnés, tout ça. Maintenant, professeur K.O. Voilà. On va faire quoi comme attaque? Le marteau du K.O. Oh putain, ça tue les vaches d'un coup. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que celui de droite, c'est pas le vrai. Je sais pas, j'ai un doute. Vous voyez, j'ai un doute sur le vrai Clyde. Bah, on va faire les grenades empoisonnées, tiens. Bah, c'est tout sécuré et l'armure est baissée. Ensuite, aptitude. Maître des orages. Ah, ça a rien fait en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Toucher guérisseur déjà. Et je vais frapper quoi ou qui? Je vais changer, je crois que je vais prendre Cartman pour faire un sort de feu. Ça me paraît pas mal. Let's rumble. Loser. J'ai un doute, hein. Sur le crack de droite. Oh putain, il prend tellement cher. Du coup, aptitude, je peux refaire plaie d'Egypte. On y va. Comment ça, j'ai pris le bon? Pourquoi ils étaient invulnérables? C'est quoi cette merde? Non, franchement, pourquoi ils étaient invulnérables? Sérieusement, pourquoi? Bonjour. Alors, il y a une urgence à l'aréna et vu qu'il y a personne à part le stagiaire, il est obligé de courir un peu partout, Yamato. Non, je sais pas. Ça veut dire que je peux demander un CDI à eux, finalement. Donc, il y a tous les commerciaux de l'univers qui sont en haut. Mais ouais, du coup, si je veux un CDI, il faut que j'aille voir là-bas. Hein. Alors attends, je vais faire les tampons. Il y en a qui fuit, parfait. On va les avoir à l'écœurement.
Parfait. Tu peux pas utiliser, ce serait trop simple. Bah, c'est trop simple. Bah, c'est pas si mine à eux, tu me diras. Hein. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il a comme sort? Malédiction, active ses puces. Contre une cible individuelle. Oh, parfait, ça. T'avais peut-être fait... Non. Allez, pilonné. Pas mal, mais c'est pas ouf quand même. Allez, objet, je vais me prendre une potion de rapidité, une potion de vitesse. Voilà. Ensuite, grand katana, il y a combien de défense? On a d'abord faire grenade empoisonnée pour l'écurer et réduire son armure. Et après, je fais le katana pour attaquer plus fort. Voilà, ouais, il a perdu 6 fois de la défense. Et là, je prends le katana et ça va être bien. Parce que j'ai pas encore assez pour la serpe hébraïque. Allez, c'est parti. 1, 2, et attaque le prout. Voilà, enflammé. Il est écœuré. Mort venu du ciel. Bon, attention, là, je le termine. Hein. Il me reste quoi? Aptitude, j'ai quoi? Le juif jitsu. L'inspiré va faire juif jitsu, ça devrait le faire. On pylône. Et dragon, voilà. J'ai un bouclier, il va mourir par le feu et c'est parfait. Armée de clones, mais là, il va mourir, là, normalement. Ah, mais non, mais c'est nul à chier. Attendez, mais il était prêt de crever, ce fils de pute, là. Non, mais non. Non, ça je refuse. Non, mais là je refuse, là c'est. Non, là c'est de la merde, là c'est de la mauvaise foi du jeu. Non, mais c'est de la mauvaise foi, putain, mais c'est pas possible. You picked the wrong tea, kid. Il était à zéro vital. Putain de merde. Bon bah, attends, grenade empoisonnée. C'est Yamato. Let's rumble. Oh putain, il est remort, Cartman. Bon, vas-y, c'est le moment de briller. Option. Potion de guérison. Augmente attaque et défense. Potion de santé grande. Hop. Eh ben le vrai, il est en haut là. On va d'abord s'occuper de lui. Parfait. Ok, maintenant, objet, je vais faire quoi? Muscle plus 4000. Et là, je vais essayer de lui péter la gueule directement. Tiens, 26 000. Comment ça fait que j'ai autant de dégâts? 26 000? Ah, mais je suis cheaté en fait en termes d'attaque là. Avec tous les boosts que j'ai pris. Alors on va faire quoi? Potion de santé. Voilà, soin. Katana sur lui. Ou lui. Lui, ce qu'on se prend une grosse attaque. Voilà, enflammé. Il se concentre. On est bientôt vers la fin. Autant que j'utilise mes potions qui servent à rien d'habitude. Alors il reste quoi? Il reste lui, lui et lui. On va d'abord faire lui, il se concentre. Pour une grosse attaque, donc autant le tuer. Voilà. C'est comme ça, il est en fait, il est vulnérable à ce moment-là. En fait, quand ils sont comme ça, ils sont super vulnérables, donc faut en profiter à ce moment-là. Voilà.
Putain, j'en ai chié quand même. Hein. You're a prisoner now, Craig. Seulement 202, vous êtes sérieux? Souffre. Augmente sang de feu. Oh là là, vous avez ramené à bouffer. Ouais, je suis désolé. Oh, c'est pas non, mais c'est pas ta faute, hein. Bah non, c'est sûr, mais non. Waouh. Waouh. Le petit café, parfait. Vas-y. Donc en fait, il y a tous les mecs de Webedia en haut, là, du monde, hein. C'est pas le genre de Webedia du cinquième étage, hein. C'est du monde entier qui se regroupe pour dire comment on va acheter la Terre. Comment on va éclipser le soleil, un peu comme je suis dans l'épisode de Simpsons avec Monsieur Burns. Alors qu'on va faire quand même Nagasaki pour sauver Ike, là, pour ramener... Allez, vas-y, pète, putain. Allez, ouais. Voilà. Parfait. Bah, ça sent la fin du jeu, quoi. Tout le monde se regroupe. On a battu. Merde. Merde, comment il s'appelle, qui a pas de faire les doigts. Je sais plus. Et ça sent la fin, là. Ah, putain. Ouais, je pense. Let's go. Avec ce petit pain au chocolat. Oh, it's my favorite kid. Listen, I found out what they were doing at the women's clinic. They were looking for a candidate to put a snook into. They're gonna nuke all of South Park. A snook? You boys don't understand. They've put the snook here. Cette atomique, Craig. Merci. We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys, and they wrestled me to the floor at my house. Tiens, c'est marrant, ce sera pas un dispositif thermonucléaire. Well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't pas complètement absurde. Question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! Oh, merde. No! We can't just pull it out! Snooks have triggers on them! Il faut l'avorter de l'intérieur. Oh, come on! Oh, merde! Do abortions and can get really, really small. Bon, bah... Qui vend ces minuscules et c'est quoi son avortement? Qui donc? Who could there be? C'est ça. Who could it be? Let me think. There's got to be someone. Il y a forcément quelqu'un. Ouah, merde, j'ai pas fait gaffe. Merde, j'ai quitté la zone. Il fallait pas sortir, il fallait rentrer dans son cul. Ah merde, attends, quoi? Non. Oh non! Ah, c'est moi, on peut refaire, c'est pas une fausse fin! Bravo! Bravo, tu as fini ça ce parc. C'est une belle fin, hein? Non, mais on peut remettre en arrière, non? Attendez. On peut prendre une sauvegarde et revenir là. Non, il y a un truc. Non, je peux continuer. Mais n'empêche, c'est logique, tu vois, c'est... Bon, bah. Mais c'est drôle, tu vois. Oh non, ce petit logo. Vite, on nous amorce la bombe. I might have also put some bats up there the other night. Quelque chose sourit. Oh non. Je trouve que c'était quand même une belle action, tu vois. C'était genre t'es parti mais sans regarder en arrière, partir. Oh man. C'est ça. What's that smell? Is it me? Ça c'est la bombe, ça. Oh non.
Comme avec le petit rat. J'ai la moyenne de sortir d'ici ou tu... Le chemin derrière toi est bloqué par la grande... Présume que c'est... Ah, la chanson de Mercon, c'est comment il s'appelle? C'est pas Mammy Twink, Mammy Twink c'est sur YouTube, non? Ah putain... Non. Non. Qu'est-ce que je suis en train de frapper là? Des capotes possédées? Des bactéries? Alors on tue des bactéries dans le cul de Monsieur Esclave pour désamorcer une bombe parce qu'en fait il y a des zombies nazis. Des Mi-Wink. Bon, Mi-Twink c'est pareil non? T'as tellement gratos des ennemis par rapport au reste du jeu, enfin par rapport à ce qu'on a affronté tout à l'heure. Alors on a combien d'XP? Ouais, 124 quand même. Alors on gagne quoi? 100 usagers, de la thune bien sûr. Bien sûr qu'on loot de la thune sur, des bactéries. Donc ça c'est du maïs. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est pas qu'il y a du maïs, c'est qu'en fait il est déjà consommé quoi. Alors quelqu'un qui s'y connaîtrait en électricité ça serait quoi? Ah peut-être la peut-être Cartman avec, sa, avec une puce de contrôle. Ah, attendez, cornes de potes. Pas lui. Kyle. Non. Stan. Ah lui il peut. Attends. Comment il peut invoquer un chien petit dans le cul de Monsieur Esclave? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que Sparky... Non mais comment ça se fait que Sparky puisse rentrer dans Monsieur Esclave comme ça tranquillement? Il y avait la gnome, la poudre de gnome lui aussi, c'est... Ah, une bactérie nazie. Comment je passe? Je pète? Ah, peut-être plutôt autre chose, j'ai tiré sur le... J'ai tué une bactérie nazie. C'était mon plan depuis le début. Fils d'éponge. C'est bon, je tourne en rond. Oh, c'est Monsieur Toc. Qu'est-ce que fout Monsieur Toc dans le... Ah merde, attendez, c'est moi où il y a Monsieur Noël dans le... Oh, merde, il y a un timer en fait, là. Bon, bactérie nazie. Il y a Monsieur Toc. Attends, est-ce que je peux appeler ou répondre? Ah non, ça aurait marrant que je puisse répondre. Tu sais, on a tiré une flèche sur le téléphone. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire? Les plaies d'Égypte dans son cul. Attends, est-ce que je peux invoquer ce Monsieur Esclave? Non, par contre, je peux invoquer Jésus, si je veux vraiment. C'est juste que nous, je sais, ils ont été ensemble, mais ça fait quand même bizarre de voir Monsieur Toc. Ah bah, c'est des bactéries, ils craignent pas les plaies d'Égypte, finalement. Bah, du coup, il aurait pas craint grand-chose, vu que c'est des bactéries. Bah, attends, j'ai quoi d'autre? J'ai attitude, la voix de l'épée, frappe plusieurs adversaires. Appuyez sur A, X, pilonner A puis X, ok alors. Ok, faut faire A et après X comme ça, très bien. Comme ça, il va coller par le feu. Voilà. Si tu pouvais répondre en ami, oh bah tant pis, hein, c'est... Alors, la vibro-lame. Dégâts supplémentaires efficaces contre les boucliers. C'est bien ça, comme arme. T'en penses quoi, passe de champignon? Je sais pas, le tour qu'elle avait quand même déjà très fort. Bah, je sais pas, en fait, ça fait 4 coups quand même là. C'est vrai.
On va comparer. Ah ouais, quand même, non, ouais, non, c'est la vibro-lame. Mais t'as de l'écœurement de nature hein, dessus. Tu vois, t'as de l'écœurement dessus, ça casse les armures. Tu vois, c'est pas si mauvais que ça, que je trouve, comme arme. Hein. On va comparer. Non, mais voilà, je pense que la différence, c'est pas hyper intéressant. Ouais, non, je suis d'accord. Une vibro-lame ou un super katana, le doute est parmi nous. Ça veut dire quoi ça? Là ça fait bip bip. Ouais. Non, je peux pas faire ça. Faut que je frappe. J'arrive pas à passer en fait. Il y a eu quelqu'un qui gêne. Est-ce que il y a un truc à tirer dessus? Ah, il y a un truc là. Ok. Comment je peux enlever la merde? Là, je peux pas tirer dessus. Sonde. Comment? Oh, on va essayer, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un truc, tu vois, il se passe rien. Alors, attends, je vais regarder vite fait parce que je loupe un truc. Ouais, non, je reviens en arrière. Peut-être qu'il faut faire un Nagasaki pour enlever la merde. Je vois peut-être jouer à la pile là, tu vois, il y a forcément plus à faire que la pile là, c'est certain, mais. Tu peux pas tirer sur la pile. Non, je peux pas, tu vois. Tu peux monter sur la plateforme. Ah, ok, putain, faut vraiment voir quoi. C'est quoi ça? C'est un Jacobazor? Ah, c'est un truc qu'on peut pas ouvrir. Passe dessus. Bah, le truc, c'est qu'on sait pas. Je trouve que la perspective est assez mal foutue quand même là, hein. C'est. All right, let's test it. Et là, je vais faire de la lumière. Ah, pour la chauve-souris. La fameuse chauve-souris. Ah, y a quoi? Ah, on a quoi? On a le piment fantôme, les 20... Oh, dégâts de feu augmentés, coiffe préservatif, confère un bouclier 5... Ah, c'est pour le plaisir des femmes. Nervuré pour le plaisir des femmes. Putain. Donc la déboule de geisha, très bien. Bah, le truc, c'est que c'est un patch sur quoi je sais pas si on peut mettre, quoi. C'est... Ça fait quoi? Ça fait, ouais, ça fait seulement 125. Ça ferait quoi? 25? Ça ferait. On gagnerait 75. Je sais pas si c'est vraiment. Enfin. I am the Sparrow Prince. Like you, I was once used for pleasure as an anal plaything. Très bien. And thus perished in this place. Merci, Prince Mono. Now you must defeat my angry spirit in order to move forward. I know, I don't really sound that angry, but trust me, I am. Très bien, Prince Moineau. We know we're gonna win. Can we skip this? C'est ça, un petit peu d'Égypte, hein. My anger is great for now. Super résistant le Moineau quand même, hein. Du coup, contaminé, peut-être qu'on va, ouais, on va prendre ça sur le... On va condamner le moineau. Défense réduite. Aptitude, et on va lui faire la voix de l'épée. Voilà. Voilà, ça fait quand même pas mal de dégâts. Les deux sont mal polis. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être une potion de vitesse, à mon avis. Potion de vitesse, je lui fais le tampon pour le contaminer et après je fais le katana de feu, ce serait pas con. En plus, ah, mais il a pas d'armure. Ah, en fait, ça me sert à rien. On va attaquer directement avec le katana. 2, 3. Il craint pas le feu, merde. Est-ce qu'il craint de l'assignement? Non. Est-ce que la serpe hébraïque, c'est vraiment intéressant finalement? Alors, j'ai une tentée pour voir.
Ouais, il craint pas le sang vu que c'est un fantôme. Bon, ensuite, il fait de son attitude. Oh, on va bourrer, hein. Je pense que c'est ça à faire. Posture du roi. C'est vrai, je trouve qu'il y a une bonne armure, Stan. Hein. Posture du roi, on est projectile à ce moment-là, donc ouais. Ouais. Voilà, on se prend pas la tête. Ouais, il est pas mal, Stan, je trouve. En fait, il est plus solide. C'est pas le meilleur en termes d'attaque, mais au moins il est résistant, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Un petit jujitsu serait pas mal, à mon avis. En plus, ça me faisait un bouclier au Pirika, c'est très bien, quoi. You have proven yourself in combat, young anal plaything. You may journey forth. Find the snook's trigger and save the outside world. Fare thee, Matt. Bon vent et que Dieu te garde. Ouais, 326 quand même. Hein. Hey, is that Carmen's mom's? Attends, on peut faire un truc latence. On peut grimper ou pas là-dessus? J'ai l'impression qu'il y a un bouton. Attends. On peut pas par là. Ouais, c'est ça le truc, c'est que j'arrive. Le truc, c'est que j'arrive pas à grimper. Je peux pas. Ça, c'est relou, ça. Quand t'as la perspective qui est assez bizarre. Bon, il y a Nagasaki. Bon, il n'y a pas d'embrouille, on sait ce qu'il faut faire. Très bien, là, on a un passage. Et on peut désamorcer. Ah, on casse le, on enlève le sperme. Sonde anale. Donc on se téléporte ici et on désamorce. Attends, c'est quoi ça? Ah non! En fait, il n'y a pas beaucoup de piles là-dedans. Que fait le sweat dans son cul? I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Toujours nous qui go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Armed guards? Des gars armés qui font ici. Whoever seeks to blow up the city clearly doesn't want anyone stopping them. You must get past them, new kid. Go fuck them up. Attends, est-ce qu'on peut faire un piège, genre... Attends, je vais faire un truc tout con, c'est que je vais faire un P sournois. Alors du coup, je crois qu'ils sont immunisés à tout ce qui est poison vu qu'ils ont le truc de SWAT. Ah, ils ont beaucoup d'armure, donc je vais quand même balancer les grenades empoisonnées pour réduire leur armure. Attends, au pire. Voilà, dans le doute, j'appelle Jésus, hein. Voilà. Ah oui, finalement, pour sauver le monde, j'ai envie de dire Jésus, c'est un gars sûr. Hein. Ouais, mais c'est drôle. Alors, j'utilise jamais les invocations, faut bien les utiliser à un moment, quoi. C'est vrai. Parce qu'à chaque fois, je les regarde, ah, j'ai une invocation. De toute façon, c'est les dernières là, il y avait qu'eux, hein. Finalement. Hello, new kid. I am Katatafish. Il a trouvé Jésus en lui. C'est ça. Jésus devant toi. Dans mon énigme, mais j'ai pas réussi à le désamorcer. Bonjour. Je vais tout le relever. Il n'y a pas de temps à perdre. Ou tu seras perdu. D'abord, je vais récupérer le loot. Un signe du courage marron augmente. Ah, les points de truc de 15%. C'est pas mal ça. Alors, c'est pas lui. Attends, bah, je vais prendre Jimmy. J'ai l'impression qu'il y a un truc handicapé. On va prendre Jimmy normalement. Where is the command, my lord? Commande de potes.
This calls for a little bardic access. Voilà. Tout simplement. Snook abortion sequence initiated. Séquence d'aventure. Initié vers le bas lorsque la sérole se trouve au-dessus de l'orifice du milieu. Ok, j'appuie sur bas. Ah, faut valider. Quoi? Merde. Donc j'ai raté mon avortement. Bon, on recommence. Mais du coup, je comprends pas. J'avouerai que je comprends pas, là. Non, pas la solennale. Il est vraiment une chose possible. Bah, c'est pas facile, franchement. T'as pas appuyé au milieu. Mais le milieu de quoi? Where is the command, my lord? This calls for a little bardic access. On va sauvegarder maintenant, comme ça au pire j'aurai pas besoin de refaire ça. Créer une nouvelle sauvegarde. Et il est quelle heure avec tout ça? 10h09. Ah et merde, donc on fait un essai et après on arrête, on fait la pause. Snook abortion sequence initiated. Vers le bas, lorsque la sangle se trouve au milieu de l'orifice du milieu. Ok. Ah ok, faut attendre là, faut appuyer sur A et après on fait au milieu. Voilà. Tournez rapidement dans le sens inverse d'une montre pour insérer dilatateur B à l'emplacement A. Insérer le dilatateur B à l'emplacement. Ok. Cold, so danger, abortion access, slit dilated. Maintenez pour aspirer la puce électronique et puis sur A pour commencer. Wrong chip, ouais. Non, c'est pas au milieu, faut faire la direction là. Tu regardes. Tu vois, c'est aborté quand même. What is it, Mr. Slade? What are you feeling? Jesus Christ! Parfait. Great job, new kid. But your journey is not yet complete. Next, what should we do to your service? On fera appel à toi. Great job! You've disarmed the snook. South Park is saved. Yes. Maintenant, tu nous en sors le nouveau. Une fois pour toutes. Poisson Sacha, le prince moineau, le roi grenouille. Ouah, j'ai bloqué un cadeau. Alors, j'ai bloqué une couronne. La couronne du plaisir anal, très bien. Que fait cette couronne? Plus 110 d'armure, ouais, c'est pas mal, mais on peut pas mettre de. Ouais, en fait, c'est très bien 110. On va laisser la couronne. On va prendre un talent en plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre à chaque coup d'infliger des dégâts supplémentaires. L'altération des handicaps moins, infliger plus quand on est étourdi. Potion de réanimation, gestion de l'attaque au corps à corps, inflige des dégâts supplémentaires. Je vous ai un objet de soin, l'art de la provocation. Vous subissez moins d'ailleurs, vous êtes seulement amoché. Les recours à des objets de soin décuplent pour vous. Ah, c'est bien, ça, on va prendre ça. Augmenter l'attaque si je me soigne. Bon, allez, petite pause de 5 minutes et on revient avec la suite et la fin, à mon avis, de South Park Stick of Truth. On fera la news et l'horoscope à ce moment-là. Des bisous, à dans 5 minutes. Voilà, pardon, je vais faire la musique, il m'a dit, Yamato, il fait le micro est ouvert, mais je dis non, le micro, eh ben, il est tout noir. Bon, je vais me muter, tu veux. Moi, si des fois tu viens muter à chaque blague de merde, je pense que le vendredi, tu me mets un baillon, tout simplement. Bref.
Je suis désolé, c'est le craquage. Donc on va faire les news, oublie pas d'enlever le son de la vidéo. Parce qu'en fait, on a une vidéo de gameplay de la bêta ce chat en PLS. De Pokémon Go. C'est pas le Pokémon moi avec. Non, c'est en gros, vous savez, ce jeu sur un mobile iOS fait par Pokémon Company qui se veut un peu, réalité augmentée, tout ça. Eh ben, on a une vidéo de gameplay de la bêta. Et... Attends, je crois que t'as mis une chrominance dessus. Vas-y, enlève la chrominance. Mais même sans la chrominance, c'est quand même assez moche. Hein. Enfin, je trouve que ça fait pas Pokémon, en fait, le design. J'ai l'impression de voir un vieux jeu de stylisme sur DS. Nouvelle maison du style. C'est ça, c'est... Nouvelle maison du style. Ouais, mais je trouve ça... Bonjour, Mizu. Ouah, un tapis DDR métal, j'ai le même à la maison. Ouah, bon, faut qu'on fasse un DDR un matin. On fait un... C'est le câble, ça. Ah oui, je vois le câble en haut, ouais. Mais j'ai le même à la maison. Peut-être que je vais aller voir mes parents ce week-end, peut-être que je ramène ça. Moi, je l'ai jeté. Ah, il est beau, c'est un tapis semi-souple, ouais. C'est le... Mais ouais, c'est pareil, j'avais commandé sur le même site que toi. C'est... Mais attends, les graphismes, ça c'est Pokémon Go. Tu penses quoi du design, toi, Mizu? J'ai pas regardé la vidéo. Bah, c'est ça. Le design, il fait tellement pas Pokémon, je trouve. On dirait Léa Passion, la maison du style. T'as vu Pokémon, c'est vrai. Ouais, mais Pokémon, il y a un côté réaliste, il y a un côté dessin animé. Là, ça fait, je trouve que ça fait un peu trop. Je sais pas. Après, c'est la bêta. Hein. C'est la bêta, mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas ouf. Hein, c'est... Puna. Ok, bah très bien, on a un tapis DDR, donc on en fera un le matin. J'en sens du jeu, il est gros, il est plus formidable, mais fermez vos gueules, je vous fais du 9 pieds expert et tu vas fermer ta gueule. Si tu trouves le câble. Bah, si on trouve un câble, voilà, on fait un appel. Si vous trouvez un câble pour un tapis DDR, on vous paye le café à 20 centimes à Webedia. Voilà, c'est dit. Ça va? Alors. Bon, ça marche, je sais pas. Allô? Attends, je vais faire l'horoscope. Mais rends le. T'as toujours pas fait l'horoscope? Bah non, on vient de revenir. Non, moi j'attendais. Vas-y, mais alors, vas-y, attends, 36 000 pubs, là c'est ouf quoi. Du DDR. Non, c'est l'autre, le Jimmy en Buffer 1, c'est le deuxième logiquement. Google Maps, GG. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment en réalité augmentée. C'est ça en fait, c'est qu'en fait ça va prendre le lieu et vous aurez le Pokémon intégré à l'intérieur. Ouais, mais le petit café, bah il est là. Est-ce que tu as profité des commerciaux en haut pour bouffer des trucs gratos? En fait, en haut, à l'arena, tu as tous les commerciaux de l'univers, du monde de Webedia, vraiment tous les commerciaux du Webedia monde, qui sont en train de faire une réunion. C'est un peu le G20 de Webedia. Et du coup, il y a un buffet gratos? Bah, je sais pas, ils sont tous ramenés les trucs en haut, du coup, Yamato et Louise. Donc, les béliers, vous cherchez à tout contrôler et vous n'y arrivez pas, c'est normal, sachez déléguer intelligemment. Eh bien, les béliers, c'est bien d'avoir des couilles, c'est bien de vouloir faire des trucs, mais à un moment, on n'est pas Superman, ou alors on... Ah non, je ne vais pas spoiler. Donc voilà, vous n'êtes pas Superman, à un moment, il faut être solide. Le micro n'est pas, ne marche pas. Yamato, il est là. C'est canapé gauche. Ah, il est en train de faire autre chose, bah attends. Du coup, bloup. Canapé gauche. Left. C'est bon, tu peux parler normalement. L'horoscope fragile. C'est pas... Ça. C'est Ken Aria, non, ouais. C'est Yamato. Et nous ouvrons la chronique, l'horoscope fragile. Mais c'est vrai que Ken, c'est pas Réa. En fait, tout le monde sait Réa. MV, c'est Réa. Sauf Ken. Non, lui, il préfère être devant la caméra. C'est ça, il préfère prendre la lumière, mec. Il s'y croit un peu, comme ça. C'est pas con de demander à Emo5, on va pas demander à Emo5.com. Bonjour, on aimerait un câble de DDR pour une matinale, ce serait un peu con. Bref, taureau, n'entreprenez rien de trop difficile aujourd'hui, vous n'aurez pas la tête à cela, restez tranquille. Donc les taureaux, bah en fait c'est le signe de Paul en plus, vraiment, taureau. On peut pas se prendre la tête aujourd'hui, Paul. C'est vraiment, ça se touche la bite, voilà, ça se touche la bite, les taureaux. Je pense qu'il va jouer à Clash Royale toute la journée. Oh, mais tout le monde joue à Clash Royale, mais est-ce qu'il y a un clan Gaming Live Clash Royale? Bien sûr. Parce que je sais pas, il y a... Nous sommes le clan des cyberfourreurs. Des cyberfourreurs. Mais du coup, Trunks, est-ce qu'il dépense beaucoup d'argent dedans? Objectivement, tu es à côté, t'es son collègue. Ça fait déjà deux fois qu'il met de l'argent dedans. Deux fois qu'il met de l'argent. À ma connaissance encore. À ta connaissance. Et Nio, est-ce qu'il est bon à ce jeu? Non, Nio, il est en bas du classement. Et t'as commencé à y jouer ou pas du tout, toi? Moi, je suis cinquième de mon clan. Ah, donc est-ce que tu vas streamer ça, tiens, pendant tes pauses? Non. Bah, pourquoi pas, hein, avec non, un blue stack. Non, TGCO, c'est mieux. TGCO, c'est mieux. Bah, je sais pas, c'est pas ce que disent les stats. Hein. Les stats disent que Clash Royale, c'est le meilleur jeu de l'univers en ce moment. Hein.
c'est mieux que Street ça 5, va passer, c'est mieux que Pokémon, c'est mieux que Bayonetta 2, c'est... les chiffres le montrent, hein, c'est meilleur que Clash mieux Royale. Mieux que Bayonetta 2, je te crois pas. Bah, je sais pas, il y a plus de joueurs dessus, c'est-à-dire que c'est mieux, non? Si on croit les chiffres. Non, ça va passer, c'est qu'une mode. C'est... Oh, on verra bien, moi je sais pas, on verra. Gémeaux, vous allez avoir beaucoup d'émotions aujourd'hui, résultat, vous serez épuisés en fin de journée, donc les Gémeaux, ne soyez pas fragiles. Soyez pas deg. Cancer, vous avez l'esprit ailleurs aujourd'hui, vous avez des inquiétudes à cause de votre partenaire. Mal et Cancer. Oh bah Sully, alors bah, faut discuter, faut bah parler. Non. C'est vrai que dans le couple, il faut niquer aussi. Ah, non, je pense... Tu veux parler avec ton Zob, c'est ça tu... La seule solution, c'est de joncer. C'est ça. Donc Yamato, pour lui, la diplomatie, c'est parler avec le zouzou. La diplomatie du zouzou. Lyon, tu es Lyon. Oui. Vous êtes en grande forme, rien ni personne ne gâchera votre journée, tout va très bien pour vous. Bah voilà. Je vais gagner toutes mes parties à TCGO. Oh, trop bien. Je sais pas, je veux pas m'avancer. On est mitigé. TGCO, c'est quoi? Eh ben, c'est... C'est TCGO, Trading Card Gaming Online. Vous savez, quand vous étiez gosse, vous achetez des boosters, vous échangez des cartes et vous savez pas les jouer. Eh ben, il y a un jeu online, le jeu de cartes Pokémon. Eh ben, vous pouvez jouer directement, c'est un free-to-play. En fait, il y a un vrai jeu. Non. Derrière. Bah si, ce n'est pas des cartes à collectionner. Oh, je suis déçu. Il fallait jouer avec. Qui a braqué les Yoshi? Ah, ils sont là. Ah, on a retrouvé Yoshi, parfait. Vierge, une journée un petit peu difficile. Dans votre travail, vous devez faire face à pas mal d'imprévus. Bah, les Vierges, il faut être aux aguets, il faut s'adapter à la situation, même si ce n'est pas facile. Il faut y aller. Ah, les Yoshi. Ah. Balance, on attend beaucoup de vous. Ce n'est pas toujours facile car vous devez faire quelques sacrifices. Eh bien, les balances, la vie, ce n'est pas toujours rose. Il faut sortir le doigt du cul et s'investir dedans. Scorpion, le moral est assez bon aujourd'hui, vous montrez une certaine nonchalance qui ne nous est pas habituelle. Mais Scorpion, on est mercredi, on est d'accord, c'est la moitié de semaine, on est un peu chonchon, on est un peu vénère, mais à un moment il faut sourire. Alors certes, je ne vous demande pas de sourire en vous enculer avec un bras dans le cul, mais au moins on met un peu de cœur à l'ouvrage, un peu de cœur à l'ouvrage. Sagittaire, vous risquez d'avoir une journée harassante, la fin de soirée sera plus joyeuse et divertissante. Eh bien les Sagittaires, eh ben, ça va te joncer. Ça va bosser dur et après ça sort. Ça sort comme ça. Non, mais en soirée. Oui, ça sort, oui, bien sûr. En soirée, genre, il la sort en soirée comme ça. Mais non. C'est ce que tu dis. Mais t'as les idées mal placées, mon cher Gémeaux. Mais non. C'est fou, ça. Mais non, c'est fou. Capricorne, vous avez l'impression que le monde entier est contre vous aujourd'hui. Ne soyez pas si parano. Donc, tu vois, Valentin, il ne faut pas être parano aujourd'hui. Valentin est capable. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est ce que tu diras au juge en tout cas. Verseau, vous avez besoin d'une structure pour avancer. Sans celle-ci, vous ne savez pas vraiment vous organiser. Et bien, les Verseaux, un peu perdus, un peu dans le brouillard du matin, il faut se réveiller tranquillement avec un petit café et ça va le faire. Poisson, il n'est pas si facile pour les gens vous côtoyant de près. Attends, waouh. Il n'est pas facile pour les gens vous côtoyant de près de savoir vraiment ce que vous avez sur le cœur. Les mecs qui font l'horoscope, les virgules, ça existe, hein. Je sais pas. Faut parler verdier, hein. C'est faut ça. Dire ce que t'as sur le cœur. Ouais, il est pas facile, voilà, il faut s'exprimer. Des fois, c'est pas facile, des fois, il faut mettre un point sur la table, mais il faut s'exprimer, il faut arrêter d'avoir de la vénéritude en soi. Alors, du coup, on comptait South Park, on est à la fin. Est-ce que tu vois South Park, toi? Ah oui, moi j'ai regardé. Oui, on est avant la fin, on est rentré dans Monsieur Esclave pour désamorcer une bombe chatomique. Parce qu'en fait, ils ont mis une bombe nucléaire dans South Park parce qu'en fait, il y a... Alors, j'ai expliqué l'histoire, ça va être un peu bizarre. Donc, on est un nouveau. On est introduit, j'ai pris la classe juif. On m'appelle Douchebag. Et donc, il y a les extraterrestres qui avaient un espèce de liquide étrange qui transformait tout le monde en zombie nazi. Et donc, Clyde s'est fait une armée de zombies nazis. Et le gouvernement dit, bon, on veut pas de ça. Donc, ils ont mis une bombe atomique dans le cul à Monsieur Esclave. Donc du coup, on a dû se rapetisser grâce à la poussière des gnomes. On a fait l'aventure de la Maywink. On a battu des mecs du squat dans le cul du Monsieur Esclave. Du coup, on a avorté la bombe dans le cul de Monsieur Esclave. Et on est à la fin du jeu. Voilà, ça n'a aucun sens, mais c'est comme d'accord. Ça. D'accord. Et donc là, il faut que je sorte. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où, Clyde? Mauvais chemin, il dit. Est-ce que je peux rentrer dans le cul de Monsieur Esclave? Mais c'est horrible. Attends, est-ce que je peux rentrer? Non, je peux pas rentrer. Just ask. Ok, alors du coup, vous passez par où? Par là. Par son cul, je pense. Oula. Ouais, c'est par là. Oh là là, c'est la guerre. Ah, c'est la fin du jeu, putain. C'est vraiment la fin du jeu, pour le coup.
On va prendre Butter. Situation amoureuse, célibataire. Ah, tu peux te joncer dans le jeu. Non, mais en fait, c'est en fait un faux Facebook. En fait, si tu veux. Ah. En fait, tu deviens ami avec les mecs, avec les personnages. Et en fait, bah, à la fin, tu peux avoir. En fait, avec les amis, tu peux avoir des nouveaux pouvoirs et tout. Donc, tu vois, du genre, on peut voir les vieux trucs. Du genre, on va charger les plus vieux messages. Et c'est que des conneries comme ça. Du genre, un vieux gros soldat vient de bloquer la clinique. Du coup, t'as vraiment un truc bien débile. Du genre, Terrence, oublie pas Nagasaki, le roi grenouille. Enfin, t'as plein de trucs, genre les hommes crabes. Enfin, t'as vraiment plein de clins d'œil. C'est vraiment plein de trucs débiles. Même l'ours, les animaux de la forêt. Le doute, bah, c'est si Satan existe, pourquoi il laisse de bonnes choses arriver à de bonnes personnes? Allez aux Lakers, s'il n'aura pas de l'espoir, comment ils pourraient anéantir leurs rêves? Enfin, il y a plein de conneries comme ça. Ils ont 8 ans, mais c'est dégueulasse. Bah, après, tu me diras, on a bien avorté. Enfin. Alors, dans le truc d'avortement, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un siège réhaussant pour les enfants. Alors, du coup, on arrive à la fin. You thought you could conquer the fortress of darkness. Clyde, back away from that stuff. Oh, but I have yet to complete my army. Le fameux liquide qui transforme en zombie nazi. The power of darkness. Stop, Clyde. You have no idea what that stuff is. Yeah, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Je suis sur le chantier. That's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at the Taco Bell? It leaked out of a UFO, Clyde. It's toxic goo from another galaxy. Think about it. Since when does Taco Bell have a green sauce, dude? Actually, since about a year ago. What? Taco Bell has green sauce now. No way. They've had it longer than a year. I've always gotten spicy green burritos. Yeah, no, I'm saying in the packets. La gueule de David Asseloff, quand même. Fuck, how the fuck did I miss it? Haha! I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce, dip fuck. Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Dans un épisode de South Park. C'est un gros épisode de 10 heures, ouais. Là, on a fait quoi? C'est la sixième matinale qu'on est dessus? Ouais, ça fait 10-12 heures avec plein de clins d'œil. Genre les loots, genre t'as les trucs qui rappellent deux épisodes. Enfin, genre t'as vraiment genre, t'as les Shin Pokémon. Ah, les Shin Pokémon, c'était le meilleur épisode. C'est ça. Bah, du coup, j'ai chopé un chaussure tout à l'heure. Attends, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil? Oh non, chef! Oh, I'm gonna make love to you, woman! Du coup, on transforme mes chefs en zombies nazis. Et en fait, là, c'est le discours de Hitler, mais vraiment ça. Ah merde! Ils ont synthétisé le discours de Hitler pour. C'est stylé ça, je savais pas du tout que le boss final c'était le chef. Ah, c'est dégueulasse. Alors, du coup, ce qu'on va faire. Est-ce qu'il a de l'armure? Attends, je sais plus, est-ce qu'il a de l'armure? Et ça se joue comme un Paper Mario en fait, vraiment. Ouais, c'est un tour par tour. Alors, c'est un zombie donc immunisé aux grenades empoisonnées. Donc, je vais faire la serpe ébraille. Empoisonnée, c'est des tampons. C'est ça. Et pour une potion de vitesse, le café du matin. Ah, voilà. Du coup, je vais commencer avec une serpe ébraïque pour vider sa défense. Ah, bah oui. Hop. C'est pas le boss final. Ah ah, très bien. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir le chef. Ça spoil. Question, ce jeu n'a pas pu sortir, c'est pas possible. Bah en fait, c'est quoi à dire, mais en Allemagne, ça censure tout et n'importe quoi comme jeu vidéo. Genre, je crois que c'est... Dans le combat, il a été interdit là-bas. Merde, il y a quoi aussi? Bulletstorm. Donc, dès qu'il y a un peu de violence là-bas ou des trucs un peu bizarres, ils censurent et ils veulent pas du jeu. Soit ils censurent, soit il y a le jeu carrément interdit là-bas. Ouah, mais c'est pire qu'en Chine. Je sais pas si c'est pire qu'en Chine, mais ils sont assez vénères là-dessus. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une potion de vitesse pour Butters aussi. Ah non, je peux pas. Allez, vas-y. Il est écœuré. Je vais jeter. Ouais, mais les cœurs, ça ne sert à rien. Ça fait disparaître leur bonus. Potion de ultra vitesse. Un second assaut. Ton sidekick, c'est Butters. En fait, on peut choisir plusieurs, mais j'aime bien Butters parce qu'il est trop mignon. Ce petit bonhomme. C'est un poussin. Ah, en fait, je suis écœuré, c'est pour ça. Ah putain. C'est toi qui es écœuré. Le problème, c'est qu'il va quand même crever, là, le pauvre. À moins que j'essaie d'assommer vite fait avec... Butters. Ouais, on va faire le professeur KO direct. Ouais. Ça, le jeu a été censuré. Génial. Hop. Et du coup, c'est les éclairs. Blast. Bon, il a quand même bien pris cher, mais là, il va tuer Butters, à mon avis. Ah, il a 48 000 points de vie, d'accord. Alors, c'est du chaud. Coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le muscle plus 4000 pour être balèze. Comment? Bah en fait il va se régénérer, tu sais, avec... Bon, on peut... Tu sais, j'ai envie de faire très mal en fait. Mais oui. Pose sur un muscle plus 4000 pour être balèze. Attaque améliorée, défense améliorée. Je vais faire quoi? Ensuite je vais faire...
Juste entre la serpe ou la plaie d'Egypte. Non, on va faire le katana directement, ça va faire mal. Ouais, bon, 8000 en moins, enfin 12000 en moins, c'est pas mal. 3 hit combo. Là, je fais l'objet pour me soigner. Potion de soin, on va prendre une grande. En fait, j'ai tellement emmagasiné les objets de temps en tout le jeu. Finalement, je peux bah oui, à l'infini. Voilà, tu peux bourrer. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire le marteau rend vénère, exceptionnel contre les armures. Le marteau de la Mais il n'y a plus d'armure, donc on va frapper directement avec le marteau. C'est quoi ça? J'ai rien marqué. Examiner. Ah non, oui, c'est pour les aptitudes. Allez, hop. Waouh, wow, bah oui, sacré contre les zombies, c'est pratique, c'est vrai. C'est non mais c'est logique en fait. Et du coup je vais prendre une potion. Du coup je vais prendre une potion de vitesse pour Butters. Comme ça il pourra faire plus de dégâts avec le sacré. Et je vais faire. Il y a un crochet. Juif j'y dessus. Ouais le juif j'y dessus. En fait c'est. Ah bah attends le juif dessus c'est pas mal ça en plus, ça me rend invincible un petit moment. Dans le doute. Et termine sur un dragon, et là j'ai un bouclier, en plus j'ai un truc d'armure, c'est parfait. Là on va attaquer, je sais pas une attaque, attends, combien de vie? 18 000, bah, je frappe une fois. Non, ça fait 10. Hop. Au pire il va mourir cramé, et Butter ne sera pas tombé en vain. Et là il perd continuellement de la vie quand il est brûlé. C'est ça, en fait, et selon les trucs tu peux carrément brûler, faire des... Ah bah très bien. Il se contente de faire une grosse attaque. On va terminer sur quoi? Voilà, j'aurais bien fait la plaie d'Egypte. Bon allez, vas-y, on y va, on le termine. Au grand katana. Comment voilà. Ça, il a un PV? Non, mais comment il fait pour rester un PV? Salut les enfants. Qu'est-ce qu'il fait? Mais putain, j'ai un bouclier, je crains pas ça normalement. Tu vas mourir? Mais non. Children, what have I done? You tried to eat a ship. Merci Butters sans qu'on aurait un doute. Merci putain, Captain Obvious. Putain. Mais ouais, tu vois ce qu'on me pose la question, c'est. Enfin, ce qui est marrant, c'est que l'épisode où justement il devient un peu lobotomie, c'est parce qu'en fait, dans l'histoire, enfin de la série, autour de la série, c'est que le mec qui faisait la voix de chef est rentré dans. C'est quoi la scientologie? Je sais plus dans quel secte il est rentré. Et du coup c'est pour ça que l'épisode. Mais pourquoi il a un PV? Children, everybody, I'm back. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Merde! Wow. Ah ok, il fallait faire un prout. Tape le juste, ok. Yamato? Tam tam Théo. En fait, j'ai pas su le débat, mais j'ai vu le terme. Oui. Non, je sais pas. And for all your deeds and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations. Ah, du coup, j'ai terminé le jeu là. Je sais pas. T'as été promu en tout cas. Avant que. Ah bah non, le SWAT. Surtout que j'ai plus une histoire, il est dans une secte, je sais plus sa trilogie ou autre. Ouais, c'est ça, et c'est en fait du qualité de Wimmer. En fait, toutes les voix de la saison, enfin de l'épisode, c'est venu d'anciens épisodes. King Douchebag? Ouais, couillard, c'est le nom que tu leur as donné? Putain, ils ont vraiment fait ça, vraiment au-dessus qu'à Skyrim. You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO crashed to Earth. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like... Hit the skip button or something? Oh, you don't want to du coup, on peut, this. Ah, yes, on peut pas skipper. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until 4 years ago, when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him.
I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. Le plot twist à la con. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. Pour du CP. Farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network. Before he was 5 years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Ça, en fait, son vrai super pouvoir, c'est qu'il peut se mettre avec n'importe qui. Moi, ça serait le meilleur CM du monde, en fait, le héros du jeu. Time to stop resisting and use your gift for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... Contrôle. But then, I wouldn't have to do what I was told anymore. Oh. I could... Il est complètement fou. What? Oh non! Oh non, 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 c'est... Non, mais c'est une blague! Ah, le guac. Non, mais c'est une blague. Attendez, attendez, attendez. Non, mais c'est la pire et fin de l'univers. C'est la fin du jeu. C'est la fin du jeu. Voilà. J'espère que c'est fini. Grosse fin, les mecs quoi. Du gouvernement redeviennent des enfants. Meilleure fin, meilleure fin de l'univers. Hein. La meilleure fin. Le jeu nous a baisés. Grande fin, grosse fin. Ah, grosse fin. Voilà. Je crois que c'est le meilleur boss de fin. C'est le jeu en lui-même. Ouais, c'est à cause de Karaté, je pense. Il a trouvé la fin secrète du jeu. C'est super méta, n'empêche. Il fait planter hein. Le jeu. Putain de merde, quoi. Oui. Putain, mais du coup, est-ce qu'on va se retaper tout le... Tout le combat et tout? Non, ça sauvegarde automatiquement. Je sais, ou... ça dépend, en fait. Je sais pas trop. Ah putain, on va continuer. Oh non. Oh, faut refaire le combat. Bon, moi je regarde pas ça une deuxième fois et il faut que j'aille bosser. Vas-y. Donc, je vous fais des bisous les gens. A plus. A plus. C'est quoi ça? C'est une 3DS de capture? Non, c'est une 3DS, j'aimerais. Hein, j'ai appris qu'en fait ma new 3DS capture ça prendra pas 6 mois, ça prendra peut-être 9 mois. Donc du coup, si vous connaissez quelqu'un qui fait des new 3DS capture, moi je suis pas contre. À part Katsukiti, il y a pas mieux. Hein. Bah Katsukiti, celui que j'ai commandé, il me baisse quoi, donc... Sur le temps, mais au final, ton produit, il sera bien. Ouais, bah j'espère bien, hein. J'espère bien. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Des bisous. Merde. Oh, j'ai le seum comme avec cette histoire. Bon, on va refaire chef. On va skipper, voilà, on va tuer chef une nouvelle fois. Ah merde, j'ai pas pris Butters. Alors, du coup... Il est déjà mort, parfait. Option. Potion. Non, je vais prendre le muscle plus 4000. Hop. Ensuite, je vais réinvertir son armure avec la serpe hébraïque. Tandis que Isangwen joue à Dark Souls. Hommage à ce grand homme. Ensuite, accord de puissance. Voilà, comme ça l'attaque est encore améliorée. Aptitude, endort les ennemis, chante une chanson qui affaiblit les ennemis. Faut envoyer un mail si tu ne l'as pas fait. Bah moi je sais pas, moi à chaque fois je dis que c'est pour la web TV et tout ça, je me fais baiser à chaque fois. Hein. Donc bon, je sais pas, est-ce qu'il y a quand même une strat, je veux bien. Le bruit marron, berceuse. Peut-être changer en fait maintenant que j'ai amélioré mon gars. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre Butters. Son marteau est pas mal quoi. Hop, ensuite, objet. Potion de vitesse. Et là je l'attaque. Hop, moins 200 d'armure, et hop, on réattaque derrière. 1, 2, 3.
Ensuite, toucher guerrière sur moi. There you go, et bonjour à Waf, la Waf, c'est, bah, c'est Yamatal. Et hop. Voilà, 8000, ça va faire mal. En deux tours, il est mort quasiment. Alors, ensuite, je peux faire. Est-ce que j'ai encore le muscle? Non, le muscle plus 4000 ne fait plus effet. Potion de fortitude, allez, vas-y. Hein. Je bourre. Allez. 1, 2, voilà, enflammé. Pareil, là, je vais prendre potion de vitesse pour Butters. Allez, 2, 1 coup. Et encore un. Voilà. Comment je le termine? On va continuer comme ça. 1, 2, et le prout. Et on termine avec le marteau. Ah, c'est les enfants. En fait, c'est par en dessous un seuil qui fait ça. Bon, après, ça, c'est facile à esquiver, donc ça me va. Hein. Et on termine avec le marteau. Voilà, un PV, il va se faire enflammer, je vais devoir péter. Voilà. Et ruine crame. Bon, là j'espère que le dialogue va passer, enfin ça a pas bugué en tout cas. Bon. You have broken the rules of the stick, and for that I banish thee. Allez, s'il te plaît. Mais voilà, une troisième capture, je sais pas quand est-ce que je l'aurai un jour. Hein. Ça me fait un peu chier, mais bon. J'espère vraiment. Parce qu'il y a plein de jeux que j'ai envie de streamer sur 3DS, moi. We did it, dude. That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds, and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations. Pourquoi là? Bon, là le gouvernement, blablabla. Si je sauvegarde là, ça marche ou pas? Je tente au pire, je sauvegarde là. Comme ça, peut-être que j'arriverai là. Hein. Je piffe, hein, je piffe totalement. Hein. King Douchebag. Ah mais David Asseloff est tellement parfait quoi. Cette impression de déjà vu, c'est ça. Dovahkiin. You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron. Boys, what's going on here is much more complex. Blablabla. This isn't the first time a UFO has crashed. Le grand du gouvernement. In 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Notre agence. Our agency. Mais comment s'appelle leur agence, n'empêche? Hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Non, je peux pas appeler ça. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, coup, des vampires, until 4 years ago, when we investigated a child. Je sauvegarde une nouvelle fois dans le doute. Ah mais on se sauvegarde là en fait. Ah mais je suis baisé à vie en fait, si ça me garde encore. Cet enfant pour étudier ses pouvoirs avant ses ennemis. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. C'est vrai qu'il a fait que le TSF faire des amis. Before he was 5 years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Allez. You have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift for your country. Bon, espérons qu'il ne crache pas, sinon je dois rester sur la table comme on fait ça. C'est le pouvoir du bâton, c'est ça. We're all just pawns in their game. I'll admit you are fascinating,
You have more power than any vérité, child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. Oh non, là, allez, on crie. Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. S'il te plaît, dis-moi que ça ne va pas cracher. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais putain, il y a j'ai regardé vite fait sur on va faire un stream, on va regarder pourquoi ça ne marche pas sur Steam, mais sérieusement quoi. Oh là, ça me fait vraiment chier là. Ça me fait chier. Est-ce que les gens ont déjà eu ce est-ce que c'est un bug qui est connu ça? South Park afficher le hub de la coupe. Tiens, vas-y. Mets ça en plein écran, enfin avec le comme si c'était le jeu et on va se renseigner pourquoi ça merde. Mais la vidéo de fin, non, j'ai envie de terminer le jeu, ça me fait chier. Fin 1, game crashes after the start of the storyline. Non. Game crash, je vais mettre crash. Any fixes? And get the gun and the scene game crashes. Every time I defeat chef. Ah bah là, très bien. Quelqu'un a déjà eu le problème. Every time I defeat chef and get the Dragon Ball cutscene. What the fuck? I had the same problem except me it crashed after beating the bot. I had the same problem with the crash in the cutscene. I have the German version. Same issue. Oh, putain, mais en fait, il n'y a pas de solution en fait à ce problème là. Oh, mais merde, quoi, ça, c'est frustrant. Oh, putain, mais sérieusement, il n'y a vraiment pas... Attendez, je vais mettre... end. Putain, mais il n'y a pas un problème. Playing with a friend, so I'm playing day one, I'm with a chip. Putain, mais ça me rend vénère. Bah, vérifie le cache, en même temps, non, ce serait pas juste ça. Ce serait... crash. Allez, on recommence. Everyone, I have the same problem. Nanana. After the story of the storyline, game crashing. And the quest with Craig after fight with Cartman. To be. Putain, mais. Vérifie le cache. On va vérifier le cache si vous voulez, mais. When in Clyde Kingdom. Ça sent la vieille incompatibilité avec Windows 10. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs gens qui se prennent ça, tu vois, qui disent ça. During cutscene, same here, if he cache flies and still happens, I've heard on this bug of all version. Only work to skip the cutscene. Oui, mais on peut pas skipper la cutscene. Too bad, I need to skip something or any solution. Vérifie le cache pendant ce temps-là. Ouais, juste tout lire, après on va vérifier le cache. It's crashing for me, mais surtout c'est que tout le monde a le même problème, donc je pense pas que c'est un problème qui est qu'à moi, quoi. It's crashing for me in the same place too, right after and without Cartman. Same here, thanks to solve the problem. Basically, I figured I'll reach in the same one. There are a few quests before you move on. Non, en fait, ce qu'on me dit, c'est en gros, hey, en fait, si tu fais une quête avant, ça pourrait peut-être marcher. On va vérifier le cache, quoi. Le PC Master Race, hein, comme disent les gens. Ils ont propriété. Fichiers locaux, c'est ça? Vérifier l'intégrité du cache du jeu. Ça serait chelou, mais ouais, c'est. Seems to be a specific set of armor. Changing to an unproblematic armor set fighting. Putain, en fait, c'est David Asseloff qui fait bugger le jeu, c'est ça? Reported with scan. Non, mais en gros, vous me dites que j'ai une armure cheatée et que c'est ça qui fait merder le jeu. En gros. C'est ça qu'on me dit, en gros. C'est que, ouais, en fait, c'est, si t'as pas la bonne. C'est une armure. Oh, ça me fait chier quand même, cette histoire. C'est une histoire d'armure, là. C'est. Donc, Monk, Khan. C'est quoi comme armure que j'ai? C'est Khan, non? Ouais, c'est l'armure de Khan que j'ai. C'est quand même chaud, le jeu il y a quand même quoi, 1-2 ans, même 3 ans, de sortir en 2013 je crois. C'est un Ubisoft,
Je suis tombé sur un thread to fix display à une console. Ouais, pas con. Donc les fichiers, on va changer l'armure, hein. On va changer l'armure. Mais ouais, ça me paraît un peu con, mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. On va prendre l'armure de Valkyrie. Pour... La souris. La souris. Mais attends, c'est normal. Oh là là. C'est bon, on n'est pas chez avec 36 000... Fight sans armure. Non, on va prendre... Attends, on va prendre l'armure de nécromancien, vu que c'est un zombie. Finalement, ça sera toujours mieux, en plus. On va voir que l'armure... Bah, je sais pas, on cherche des hypothèses. On cherche des idées. Donc, en plus, pour le coup, c'est un jeu THQ plus qu'un jeu Ubisoft. Stick of Truth. Enfin, c'est un jeu... Ah, mais c'est un jeu... Non, en fait, non, c'est logique, c'est un jeu Obsidian. Trouvez-moi un jeu Obsidian qui n'a pas des bugs de merde. C'est un fait. Un jeu Obsidian, c'est forcément un jeu buggé. Allez, on va prendre l'armure de nécromancien. Un casque slip. Capuchon de nécromancien, voilà. On va mettre quoi? On va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, le feu 25%. Ouais, robe de nécromancien. On va prendre avec au corps à corps, inflige 200 points de dégâts en plus, voilà. On s'en bat les steaks. C'est le bâton qui fait cracher. Ouais, Jean-Pierre Coff est vraiment mort et ouais. 20% de dégâts en plus sur les zombies. Putain, en fait, j'ai mass badge. Hein. Inflige jusqu'au vie, ouais, non. Ah, pas mal ça, 25 PV à chaque fois. Allez, on fait ça. Allez, je tente ça, hein, je tente. Je sauvegarde. Contre le nécromancien, c'est pas mal ça, enfin contre le zombie chef. Groupe, on va prendre... On va prendre Cartman, c'est vrai que contre le feu contre les zombies, c'est bien. Voilà. Ça se compte en mille. Oui, mais le truc, c'est que quand je me soigne, logiquement, je gagne... Oh putain, je gagne... Merde. Je gagne de l'attaque si j'ai bien pris le truc. Monsieur plus 4000. Aptitude. Cercle hébraïque pour casser l'armure. Ensuite, aptitude, malédiction. Alcoholic, foreskin, shut up, Sandy the Jet, penises, Fastic Cold, Christian, I hope you fuck Wiener, weirdo. Bon, il est mort, hein, comme prévu. Ensuite, objet, je vais tout mettre sur ma gueule. Hein. Pousse une torréfie, ça fait quoi? Défense améliorée x2 et 2 attaques. Allez. 1, 2, 3. Nouvelle attaque. 1, 2, 3. Bon, ensuite, objet, je vais prendre poussons de réanimation pour réanimer Cartman. Le missile, ça ne dira rien, vu que c'est un zombie. Donc, je vais changer... Attends, magie, je peux refaire la... Non, je peux pas. Non, ça, c'est moi, donc attendez. Je vais faire... Katana, allez, hop, c'est parti. 1, 2, 3... Lui, missile, ça sert à rien, à mon avis. On va quand même tenter, hein. Bon, ça fait quand même 100 de dégâts gratos. Et je switch avec Stan, qui est plutôt solide comme allié, en termes d'armure. Donc là, il est vénère, parfait. Là, on fait potion de rapidité pour attaquer... Ah non, je peux pas, putain.
Mais attendez. Ah merde, j'ai pas vu le chat. Putain. Bon, j'ai plus le chat, c'est pas grave, je ferai ça pendant la cinématique. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? On va attaquer directement, on va pas se prendre la tête. 1, 2, 3. Ensuite, objet, on va mettre potion de vitesse sur lui-même. Ensuite, aptitude, voie de l'épée. Voilà, et après on va frapper directement. Voilà. Et là, je le termine avec attaque directe. Voilà, parfait. Salut les enfants, là c'est QT parti. Allez. Là, il va le brûler et on va lui péter la gueule. Voilà. Voilà. Pour la troisième fois, on aura tué chef. Alors attends, fais le plan sur moi, je vais juste je mettre le chat à nouveau. Parce qu'en fait, Twitch, je sais pas pourquoi le navigateur a complètement planté. Tu me diras, on est plus à ça près. Allez, hop, c'est bon. Tu peux remettre le jeu. J'ai enlevé le curseur, t'inquiète pas. Bon, et là, on espère pouvoir passer la cinématique. Hein. De toute façon, question con. De toute façon, quand je passe en roi douchebag, ça change mon armure, j'ai l'impression, de base. Regardez, là, je vais passer en roi douchebag. Bug, bug, par le chat. Tu vois la part, je passe en King Douchebag et du coup, j'ai une nouvelle armure. Allez. Blablabla, Dovahkiin. So it really is the Dragonborn. Just can't stop being a thorn on our side, huh? He has to stick a truth. How does this guy know you, King Douchebag? Au pire, on enlèvera la tête de David Hasselhoff, hein, si ça fait merder. Allez, je peux pas l'enlever de toute façon, la tête de David Hasselhoff. Car il faut que j'aille faire une rhinoplastie pour ça. Oh merde. Oh putain. Donc soit ça marche, soit on est baisé. Voilà. Fighters of Zaron. Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see, on peut pas passer en fait. Ça fait impossible de passer. Oh God, brother, spare us. Impossible de passer. A UFO crashed in Roswell and a new government agency was created to investigate the our agency. Can we skip this? Like hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. Sinon, bah tant pis, on n'aura pas, fini le jeu à cause de ça, quoi. Ago, when we investigated a child. Ça me fait chier, quoi. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped allez, s'il te plaît, je fais pas ta pute. Fais pas ta pute, le PC. Hein. Pour le oui, PC Master Race, c'est bien mieux sur que sur console. Ability to make friends so quickly on any social network. Before he was 5 years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. You have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovahkiin. Time to stop resisting and use your gift allez for your country. Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. Allez, putain, marche, parle et ferme ta gueule. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. En plus, le pire, ça clash, ça crache au moment, tu sais, je vais devenir le seigneur du monde. Donc finalement, c'est super RP, tu vois. Et voilà. On ne peut pas voir. Ah,
C'est passé! C'est passé, putain! Oh là là! Ah merde! Bon bah tant pis, hein! Damn thing! How does it work? Show me how it works! Putain, à poil au calme. Dovahkiin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself. Ça, c'est pas là pour toujours. I can offer you all. Le set d'armure. Ouais, c'est bien l'armure, ouais. You can rule with this. C'est chaud, quoi. Un set d'armure, ça baisse le jeu. You underestimated the character of the fighters of Zaron. What binds us is more than that relic. And you failed to recognize the character of our alliance. Yes. C'est ça, and une amitié est plus importante que plus même que le bâton de vérité. Dude, where are you going? Princess Kenny. Oh non, Kenny. At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why, Princess Kenny? Because Princess Kinney was born a half-orc. Du sang orc. Whose entire village was wiped out. C'est parfait. You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl. A girl who watched as everyone she loved was killed. C'est tellement parfait. And that is why she waited. J'ai envie de dire, ça valait bien la peine de relancer deux fois le combat avec Chef, tu vois. Ça valait la peine, hein. Ça valait tellement la peine. Vous avez parlé à chaque fois que vous expliquez un truc alambiqué. Vous gagnez une tache de rousseur. C'est débile. Oh, c'est tellement débile. Alors, j'ai quoi? Couronne d'épines. 20 en flamme. Oh non, putain, non. Putain, en gros, c'est le costume du Christ, quoi, en gros. Si je suis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Plus 50 dégâts saints. Ah, c'est pas mal ça, les attaques saintes, non? Attends, en plus, elle a pas d'armure, cette merde, quoi. Bon, est-ce que je reprends mon armure? On va prendre le chevalier. Ah putain, j'hésite à prendre mon truc de canne. Ah putain, j'hésite. Ah, déjà on sauvegarde, déjà pas con, on sauvegarde. Ouah, trop bien, tacos clichy des glaces. Vas-y. Fais un truc. Oh, il fait rien. Reste en Jésus. Bon, on va y aller en Jésus. Par contre, c'est quoi cette arme? Dégâts sains, attaque parfaite, touche derrière, inflige 25% de dégâts en plus lorsque la santé descend. On va plutôt prendre quand même mon épée enflammée. Où est mon épée? Ah, le super katana. Katana Jésus. Welcome, weary adventurers. Can I interest you in some of my wares? Quoi? Ceinture d'armes, baïonnette, ajout de scène. Ouais, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Inflige, on s'en bat les couilles. Style, on s'en bat les couilles. Consommable. On s'en bat les yeux-coups. Très bien. Très très bien. Il n'y a pas un truc à récupérer. J'ai l'impression que le. Il est 11h08 là. Petite pause. Petite pause. Allez, petite pause de 5 minutes et on revient avec King Douchebag Jésus. J'ai pas chopé Twitching Pokémon, je crois qu'il m'en manque un, c'est pas grave. Ouais, des matchs, mettre des patchs. Ah, il est pas con. On va mettre en face. On fait une pause de 5 minutes et après on va. Ah, il nous a un message du roi grenouille. Qu'est-ce qu'il dit? Vive le plaisir, non, c'est pas ça. Si, vive le roi du plaisir, Nal. Très bien. Petite pause de 5 minutes et on vient pour la vraie fin de South Park, The Stick of Truth. A tout de suite. Nous voilà pour la fin de South Park, The Stick of Truth. On est quasiment à la fin, donc
On va essayer de tuer Kenny et je vais essayer de mettre des badges sur mon stuff actuellement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je réfléchis à ce que je pourrais mettre sur mon stuff actuel. J'ai déjà pas mal de badges. Bloquer une attaque, inflige à distance. Confère résurrection, ça peut être pas mal. Ça. On reste dans le thème Jésus, quoi. Patch Jésus même. Un stuff full Jésus avec un peu de Seimitsu pour le stick. On a quoi? Soigne à chaque tour de combat. 20% de dégâts en plus quand je suis à moins 25. Allez, vas-y, on se met en full Jésus. Moi, je crois. Tu n'avais pas envoyé ton tweet ce matin. Ah merde! C'est pas grave, mais tu vois, t'es quand même présent. Non, mais ça prouve que les gens sont habitués finalement. Si je n'envoie pas mon tweet et que les gens sont là, c'est. Bah, merci les gens d'être là quand même. Attends, on va faire. Est-ce que j'ai un truc de foudre? Plus avec un arc. Augmente de 10%. C'est quoi ça? On va augmenter de 10%, allez hop. Voilà, pas d'armure, on y va à la dure. Allez, c'est parti. Give us the stick, Princess Kenny. You don't want to go down like this, bruh. Non, non, le générique de Princess Kenny. Le générique. Qu'est-ce qui est marqué en haut en hiragana? Ah ouais, avec la musique en fond, c'est parfait. C'est parfait. Hein. Allez, la plaie d'Égypte hein, sur Princess Kenny. Ah non, mais j'ai pas fait ça que je veux faire. Ouais. On va d'abord le condamner. Défense réduite x2. Aptitude. Rebondis. Tac, la musique en fond, c'est tellement stylé. Ouais, il est quand même bien solide, hein, Stan. Hein, 8000 PV. Putain, ça avait bien l'armure quand même, hein. Bon, il n'y a plus la musique. Ah, c'est la musique, elle est là, parfait. Elle a la plaie d'Égypte. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Aptitude. On va encore faire le condamné. Aptitude, objet. Je vais mettre une potion de vitesse sur moi. Voilà. Voilà. Parfait. Voilà. Et là, du coup, j'ai deux attaques. Je peux faire lance pierre d'Azid. Est-ce qu'il y a encore de l'armure? Ah, il y a encore de l'armure. On va faire ça avec les tampons. Voilà, comme ça, il a presque plus d'armure. Et là, on le termine au katana. Allez, 1, 2, et voilà. C'est pas taille pour douchebag. Oh non. Non, fais pas ça, non, non, Kenny, non. Non. Kenny va devenir nazi. What? Devenir nazi. L'effet sonore. L'effet sonore. C'est parfait. Moi, je tiendrai ici. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Yeah. Oh, c'est parfait. Hein. Alors,
Est-ce qu'il a encore... attends, est-ce qu'il a encore de l'armure? Ouais, il a encore masse armure. Aptitude, serpent hébraïque. Hop, en 100 x 2, défense réduite. Je vais refaire la serpe hébraïque derrière, parce que ça me paraîtrait pas con, de, en plus elle le ferait saigner, et encore refaire perdre de la défense. Voilà. Parfait. Là, on va le condamner avec Sparky. Voilà. Et épée, on va le frapper avec ça pour casser le dernier morceau d'armure qui lui reste. Bah c'est un peu karaté en fait, Cartman. Les deux font taf et ils regardent. Voilà, presque plus d'armure. En plus, elle a bien plus cher, la princesse Kenny. Putain, con, j'ai récolté des trucs pour refaire des trucs. Alors, faut que j'ai récolté des PP. Hop. Alors, aptitude, on va faire. Je peux faire serpe hébraïque. Ou jujitsu. On va refaire serpe pour vraiment casser tout ce qu'il peut y avoir d'armure. Voilà. Nouvelle attaque. Et on va terminer avec le super katana. 1, 2. Et on pète sur la gueule. Voilà. On termine avec classe quand même. Oh my god, you killed Kenny! Oh, no way is that. Genre voilà. Ah merde, mais il est pas encore mort! C'est normal, c'est un zombie, mais. Use your rainbow attack, Princess Kenny! Et merde! Putain, faut le re-le tuer! Je vais switcher de compagnon. Je vais prendre. Je vais prendre Butters, vu que c'est un zombie, le sacré va lui faire du dégât. Ok, arme du coup. Je peux faire quoi? Je vais prendre un muscle plus 4000 pour être plus balèze. Balèze! Et vu que là, par contre, son armure est toujours réduite, donc ça c'est pas mal. Donc là, on va le tuer au katana. Ça devrait le faire. Voilà, enflammé. Ensuite, toucher guérisseur pour me soigner un petit peu, même si j'ai pas perdu beaucoup. Ça coûte rien. Et je gagne en plus des PP comme ça. Voilà, vu que c'est un zombie, plus de dégâts. Invocation de la mort zombie. Quoi? What? Vu que la mort que le serviteur du chaos. What? Ça n'a rien à voir, ça ne veut rien dire. Alors du coup on a 3v1, ouais c'est stylé en tout cas pour un combat final, c'est vraiment cool. Use your rainbow attack, Princess Kenny. Alors du coup, j'ai jamais fait les pouvoirs de Kyle, ça fait quoi? Ralliement. Aptitude améliorée. Attaque améliorée. Waouh, bien ça. Ah, il a quoi comme pouvoir? Invocation élémentaire, Kyle invoque les esprits des terres gelées pour attaquer l'ennemi. Vent des tempêtes, obscurcie. Kick your ass, douchebag, do it. Invoque des dieux volants des adversaires. Ouais, on va faire quand même le shoot dans le bébé. Make me proud, Mantus comme un clignotement. Shoot dans le bébé. Hit them with the zombie vomit. Bon, petite potion de soin au calme. Aptitude. Serpe hébraïque, non. Le jus dessus. Le jus dessus. On va pionner. Le dragon, le target combo. Et il est mort. Et j'ai un bouclier. Il est mort pour de bon ou pas? Oh putain, mais sérieusement?
Bon, du coup, ce qu'on va faire, ça fait break, ça sert à rien. Lance-pierre de David, peu blessé. On va acheter la première pierre, allez hop. Il est assommé normalement, il est pas assommé. Aptitude, on va essayer plus de flèches, les gens me disent de faire ça. La touche indiquée. Merde, j'ai raté. Bon, ça fait quand même pas mal de dégâts, mais en fait, même en ratant, ouah, les dégâts que ça fait. Alors, j'ai complètement foiré mon attaque. You'll be invincible. Du slime zombie nazi. What? Oh no, you don't. Voilà. Lucky shot, but no matter. Princess Kinney still has lots of tricks up her puffy sleeves. Du coup, ah ok, en fait, à force, en fait, ça change de compagnon automatiquement. Ok. Je crois qu'à la fin, on va affronter Cartman, c'est quasi sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Use your rainbow attack, Princess Kitty. T'as rien que le bouclier, c'est que je le prends dans la gueule, c'est pas normal ça. Attends, aptitude, qu'est-ce que je peux faire? Il est enflammé, vas-y, on va continuer, je vais bourrer, ça va le faire. Voilà. Ensuite, accroît de puissance pour améliorer l'attaque. Est-ce que Kenny est considéré comme mort? Bah, comme un zombie en tout cas. Je peux faire le brumaron, on fait le brumaron pour essayer. Ouais, 2000 serments de la merde, ouais, ça sert à rien. C'est vraiment nul à chier. Ouais, vraiment, c'est nul à chier. Accroît de puissance encore. Alors, je peux faire d'autres. Affaiblir les ennemis et fortifier votre groupe, on va faire ça. Pour commencer à bégayer. Bouz, 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 bouz. Ah, on joue à Trackenfield. Aptitude réduite. Allez hop. Je fais quoi? Je vais faire Jujitsu. Non, je vais faire d'abord potion de vitesse. Il me reste encore 5. Allez, potion de vitesse. En fait, vu qu'il est seul et qu'il n'a pas d'AO, en fait, je peux vraiment être tranquille. Limite, si je meurs, je peux faire un taco, c'est bon. Ah oui, allez, 9000 de dragon. Et nouvelle attaque. Bon, vas-y, on le termine avec le katana. 1, 2, 3. Bon. Et là, il est re-en vie, putain, mais merde! Ah. Ah non, on pète pas sur les boules. On ne pète pas sur les couilles, putain, non. Non, on fait pas ça. Non, on ne peut pas péter sur les couilles, non. What about the gentleman's oath? Magie. Mais je peux pas péter en fait. J'ai pas de mana, je fais comment? You have to win. The future of the whole town is at stake. Mais je peux pas péter sur les couilles, je fais comment? Attends, obligé de piocher une potion de mana. Finish these weaklings, Princess Kinney. Alors, du coup, on fait un Nagasaki. Maintenez. Puis, ok. Maintenez bas, dirigez. Voilà.
sauvé le monde. We're back to normal. Voilà, le chat est devenu un chat. Grâce à un P sur les couilles. Et ça, c'est beau. Son dragon a dû péter sur les couilles d'une princesse. Dans le plus grand des calmes. Du coup, mon soir, ce truc, c'est qu'on n'a pas vu le mall, enfin le magasin, quoi. Ah merde, j'ai dans les bouquins succès avec Asseloff, Asseloff le magnifique, merde. C'est Alors, about dinosaur hunters or pharaohs and mummies. Let's ask douchebag. What do you want to play next? Pourquoi tu joues maintenant, en gros? Screw you guys. I'm going home. Waouh, on arrive à parler. Wow, what a dick. Le mont sport, non, mais on l'a tué. Oh, bon, on a terminé le jeu. Le bois, ça flotte. Ça dépend de la densité du bois en même temps. Hein. Ben voilà, la vraie fin. Logiquement, ouais, on l'a battu le bon sport. Hein. Mais donc, ouais, je me demande s'il y aura des rapports le bâton de la vérité dans le prochain avec les super-héros. Genre, en fait, depuis le début, j'ai repris le bâton de la vérité, c'est comme ça que je suis super fort. Bon, ouais, par contre, je m'attendais plus à voir genre Cartman devenir vénère et prendre le bâton pour devenir le vrai méchant de fin. Ah, attendez. Ah, ok, c'est générique, blablabla. Vous personnalisez vos costumes. Est-ce que du coup, on peut faire les quêtes secondaires derrière? Attendez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le bug. Ah, mais du coup, on peut faire les quêtes secondaires maintenant. Pour finir à 100%. Ok, bah c'est cool. Ça c'est cool, du coup on peut essayer de faire le 100% derrière. Bonjour. You have a nice nose. Ouais, je sais, c'est mon David Asseloff. Il y a un truc que je peux récupérer ou pas? Allez, pour le plaisir, le petit caca du matin. Voilà. Bon, du coup, c'est-à-dire qu'on déménage là, c'est pas, je vois des cartons partout. C'est-à-dire que c'est la fin, genre on part de la ville. Watch out for strangers. You're not as ugly as I remember. C'est pas que dans mes souvenirs. Ok. C'est-à-dire qu'on peut continuer avec. Ça va. M'attendais genre que ça se finisse. Il nous restait à faire quoi? Il restait les Shin Pokémon. Et c'est tout, je crois, comme quête, de toute façon. Tu as rencontré? Oui, on a rencontré les amis d'animaux de la forêt. On est amis avec eux sur Facebook. Il y en a quoi comme quête qui nous reste? Phase 1. Ouais, il nous manque un slip. Alors du coup, on va visiter les maisons pour choper le dernier slip qui nous manque. Putain, c'est super calme. Ça fait bizarre. Ouais, il manque les slips. Alors, je sais pas si ça va nous débloquer, mais ouais, il nous manque les slips. Je vais aller voir s'il manque le slip à Butters. Le slip de Butters, bien évidemment. Voyons voir, j'ai chopé. On va choper le dernier slip, voilà. On a sauvé le monde des nazis. Maintenant, on va choper un slip. Les gosses, on les a fait, ouais. Tiens, qu'est-ce qui manque, tiens, en Shin Pokémon? Carte, dans sa collection. Ah, il m'en manque pas mal, les Shin Pokémon, en fait. Hein. Il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenue de barbare, tenue, ouais, je pense pas avoir tout vu ce qu'on entend.
On va aller voir. Ouais, il y a pas mal de stuff quand même. Ouais, il nous manque quoi, 9 Shin Pokémon et ouais, un slip. Un Shin Pokémon et un slip, ça en dure un. Ouais, non, pas là. Alex, il doit arriver le 30. On est le 30 ou on est le 20? Non, on est le 29, je suis perdu. Bon, il devrait pas tarder à sortir. Mais demain, on va faire justement du Street Fighter V. On fera, on regardera un peu le mode trial, tout ça, du online, enfin. En fait, c'est juste une bonne excuse pour jouer à Street Fighter V dans la matinale. Mais ouais, demain, on fera SF5. Chaussure. Ouais, chaussure, c'est le meilleur starter, on est d'accord. Il n'y a rien là. Attends, il y a quoi dans le truc à jouer? Apparemment à 19h, ok. Ouais, drogue, des God Michel. Mais du coup, il est où le dernier slip qui me manque? Tu as vaincu sur le stade? Oui, j'ai vaincu. Enfin, je crois que j'ai quasiment fait toutes les quêtes secondaires. Il nous manque juste les Shin Pokémon. On a fait les SDF, les gamins. C'est qui lui déjà? Mais ouais, on a quasiment tout fait, je pense, hein, en termes de quêtes secondaires. Donc là, donc la Terrence et Philippe. Tu sais, oui, j'ai cogné Al Gore deux fois. Al Gore en forme humaine, Al Gore en forme de homme en sport. Ah, le slip! Voilà, le dernier slip est arrivé. Le sacro-saint slip. T'as pas fait les nazis, je pense. Les nazis, c'est-à-dire. J'ai pas fait les nazis. Très bien. Maintenant, on va pouvoir retourner voir les gnomes. Pour donner les sacro-saints slip. T'es allé chez les flics. J'ai libéré un enfant. Donc, je sais pas si c'est ça la quête. Ok, on va se promener. Il nous reste à peu près 20 minutes, c'est ça? Il nous reste quoi? Ouais, 20 minutes. On a le temps de se promener tranquillement. Il y avait une quête secondaire. Ah, bah très bien. On va aller voir. Un petit slip indé. On va aller voir les gnomes. Tiens, ouais, tes putains de slip. Pour le putain d'ami que tu as tué. Ah, du coup, je l'ai en ami. C'est tout, tout ça pour avoir un ami sur Facebook. Oh là 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 là. On va aller au commissariat, du coup. Allez, on va y aller. Peux pas le faire, vu que les nazis sont morts. Pire, refait la sauvegarde pour refaire le combat contre le chef. Ouais, non, je crois qu'on l'a déjà vu, a déjà assez vu ce combat. On va aller au commissariat, du coup. Alors, attendez. Ouais, quête. Il n'y a plus de quête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un objet que j'ai pas récupéré, ça, en gros? Ah, il y a un Shin Pokémon. Ah, ça, il manque un Shin Pokémon, là. Tiens, il y a deux Shin Pokémon. Ok. Donc, au moins, je sais où choper les Shin Pokémon qui me manquent. Via comme ça, alors c'est où le commissariat? C'est ça le poste de police, bonjour. Merde. Il y a un drapeau là. Bonjour. Bah, du coup, on va chercher une Pokémon. Hein. Il y en a qui manquent. Ouais, je crois que j'ai fait la question. Il y avait un enfant que j'ai libéré, en tout cas, qui était en prison. C'est un des premiers trucs qu'on a fait en plus. Oh my god, David Hasselhoff! Non. Sorry kid, I'm too busy to talk to you right now. Sorry kid, I'm too busy to talk to you right now. Maybe later. Portrait photo de mon pénis. Tu peux peut-être aller au Mali. C'est-à-dire il y a par contre, j'ai pas été au Mali, il y avait une quête là-dedans du coup. Ouais, l'enfant, je l'ai libéré, je suis passé à la quête secondaire. Ok. J'adore ce regard. Son regard est tellement parfait. Putain. Alors du coup, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Va sur le toit du commissariat. Très bien, je vais sur le toit du commissariat. Comment on y va par contre? Ça, c'est la bonne question. Et vu que t'as fini le jeu, tu peux faire la quête? Ah bah... Tant pis. Non, pas le Mali, mais le magasin qui s'est ouvert par le Taco Bell. Ah, peut-être.
Ah, c'est que j'ai pété sur le toit. Ah, il y a le Père Noël. Il fout quoi, là? Oh, tu m'as gueulé. Pourquoi qu'il a fait des bêtises? Aux colons du démon. Page du guerrier. Tiens, Yamato. Oui. Je crois que le Théo n'a pas suffi. Ah là là, les petits fils de pute qui se croient fort sur Internet. C'est beau. Au calme. Au calme. Au calme. Alors qu'en plus, j'ai la salle de sport là. C'est ça le pire. Ah là là. Ah, c'est. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Il manque les Shin Pokémon. Isquale. Ah, il est allé au magasin maintenant qu'il n'y a plus le Taco Bell. C'est pas con comme idée. Allez, let's go. C'est vrai qu'il n'y a plus de nazis, il n'y a plus d'enfants. C'est super calme maintenant les rues. On va y en voir. Il manque aussi deux Shin Pokémon. Ah merde, c'est fermé. Ouais, c'est dommage. En fait, j'aimerais bien une petite aventure derrière, une quête annexe. Enfin, tu sais, du genre, pas forcément un New Game Plus, mais un truc derrière, ça aurait été stylé en plus. Alors, du coup, on va peut-être chercher les Shin Pokémon derrière. Alors, attends, les cartes. Trésor, il y a quoi? Un équipement, on s'en bat les couilles. Il y a deux Shin Pokémon en bas. Allez, let's go. Peut-être qu'ils ont les égouts, je sais pas, on va frapper ça. Qui fait le speedrun? C'est MV qui fait du FF6, non? Quand je récupère ça? Ah, en étant petit, peut-être. Comment je fais? Putain, mec. Mais ouais, c'est MV qui va faire du FF6, je dis pas de conneries. Hop, tout récupéré. Et le 6, hein, si je dis pas de conneries. Peut-être que je dis des bêtises. Sur le comptoir. Ah oui, il y a un. Merde, comment il s'appelle? Gros dactyle. Ok, alors il reste quel du coup? Trésor. Il y a 12 équipements ici, vous vous foutez de ma gueule? Ah non, ça veut dire qu'on peut acheter de l'équipement. Bah oui, aussi, c'est vrai qu'on peut aussi en acheter auprès des filles. Alors, il manque quoi? Il manque un Shin Pokémon ou deux équipements. Ouais, c'est pour acheter des trucs, en fait. Un équipement, deux teintures, un Shin Pokémon. Ah, je peux pas aller au magasin? Ah putain, ça se trouve, ça sent le Shin Pokémon que je pourrais jamais choper de ma vie. On a quoi? Le centre communal, il en manque un là. Il en manque deux à l'école. Un là, ok, on va aller à l'école. Putain, ça sent le seum, ça sent bien le seum, ça. Genre des trucs que je pourrais récupérer, à mon avis, au vaisseau OVNI, que je pourrais jamais récupérer à nouveau. On va quand même le voir, hein, mais... Ça sent la baise, voilà, ça sent la baise, ça sent le... Ça sent la baise. Il y en a des manquables, ouais, bah ça sent le truc manquable, parce que là, je peux rien faire, là. Ouais, techniquement, je ne peux pas revenir là. Enfin, ouais, je pense qu'il doit y avoir un Shin Pokémon dans le vaisseau OVNI. Ça, c'est dommage. T'as genre un truc comme ça, tu fais les quêtes secondaires, tu peux pas revenir en arrière. C'est un peu con, parce qu'à moins que tu le saches par cœur, tu peux te faire baiser comme là, quoi. Ah, il y en avait dans le vaisseau. Bah voilà, je suis baisé. Je ne pourrais pas avoir tous les Shin Pokémon, malheureusement. Il paraît qu'il y en avait un aussi la première fois que tu es allé à l'école. Tu as eu ceux du vaisseau OVNI, mais alors du coup, il manque lequel, finalement? On va rentrer, peut-être qu'il y a un Shin Pokémon, je peux pas rentrer. Voilà, par exemple, il doit y avoir un à l'école, je peux pas le récupérer. Et ça, c'est relou. Du coup, là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, il faudra recommencer une partie à zéro pour avoir les derniers qui me manquent. Bon, bah, vas-y, c'est parti, hein. On est reparti pour deux semaines de matinale, je pense pas. C'est ça, au moins. Ah, mais il y en a un là. Attends, faut que je pète dessus pour pouvoir péter dessus pour avoir le Shin Pokémon. Attends, faut que je passe le cul dragon. Non mais.
pète là-dessus. Là, je peux pas. Il faut que je fasse un truc comme ça. Voilà, merci. Un Donkitron. Ok, donc il manque un Shin Pokémon. On va regarder à l'intérieur de l'école. Putain, comment je passe? Comment je t'ai passé la dernière fois? Ah, par là. On va y voir si j'arrive à trouver un autre Shin Pokémon. Là, c'est oui, le truc électrique, je me rappelle. Non, hop. Il y a quoi? C'est vrai que finalement, tout ce que je n'ai pas pris, je peux le reprendre plus tard. Oh, patch de flamme. Oh, j'aurais dû avoir ça dès le début, ça aurait été craqué, ça. Ouais, bon, bah, je pense qu'on est baisé hein, pour les Shin Pokémon. À moins que... Ouais, non, c'est pas bon. Hein. J'essaie de voir comme s'il n'y a pas autre truc, mais j'y crois pas trop. Donc, c'est la première fois que t'es à l'école. Ok, bon, bah, du coup, ouais. Bon, c'est dommage, ouais. Attends, il y a un truc derrière, j'ai pas vu. Ah putain, il y avait un sac. Juste là. Sucre d'orge, 50 PV à chaque fois, ouais, bon, c'est un peu de la merde. Bon, du coup, il reste quoi? Du coup, tout le monde est mort. Là, il faut que j'enlève l'électricité, sinon je vais me prendre et je vais mourir. Ce qui est assez gênant de mourir, quand même. Ouais, du coup, on n'a pas le temps de refaire du SF5 parce que là, on a, il reste quoi, 8 minutes. Bah, demain matin, on fera du SF5. 10 minutes. Ah ouais, oh, je vais venir alors. Je vais arriver à 10h, mais moi, j'ai un Alex. Hein. T'as essayé le jeu ou pas? Enfin, la mise à jour, ouais, apparemment, ils ont corrigé des trucs. Il y a des trucs qui ont changé sur les perchos. Le BHK de Mika, il était inchoppable. Maintenant, il est plus inchoppable. J'ai une question, un truc tout con. C'est quoi le pari de Alex? J'ai pas tout compris en fait. Quand il met son Metrigan, on a l'impression qu'il a un pari. J'ai pas encore vérifié, j'ai pas vu le faire. Parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo où un mec. Ah, très bien, tu. Yamatal ? Voilà. Ah, les mecs, ils font des comptes pour ça. Non, mais. Tu sais, il crée un compte, ça met 5 minutes, on est 10 secondes et le mec, il se fait bannir. Tu sais, en termes de temps, on s'en bat les couilles, hein. Non, mais on va me dire qu'on est une grosse merde. On est une grosse merde, hein, je veux dire. On l'assume. Et ça, c'est beau. Tu sais, au début, t'as un doute, à la fin, t'as une confirmation. Et ça, c'est beau. On va pas le banniper. On va le laisser refaire un compte. On va le laisser le rebannir. Et ça, c'est beau. Enfin, au moins, le mec, il est mort avec ses convictions de merde. Ça, on peut pas lui enlever ça. Bref. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quête, il y a quoi? Il y a encore un Shin Pokémon sur la route. Allons-y. T'as pris le téléporteur sur le plafond? Oui, c'est maintenant, c'est pour. Merde. Est-ce qu'on a du coup l'un Shin Pokémon qui manque? Peut-être qu'il est à l'intérieur de la salle communale que j'ai pas vu. T'es dans la bouche? Non, il paraît que c'est la première fois qu'on y a l'air. Du coup, où est l'un Shin Pokémon qui manque ici? Ouais, on peut acheter des trucs, j'ai rien remarqué. Le bâtard. Ah oui, le truc du bat papa. On a quoi rebondir sur 5 ennemis? Ouais, c'est un peu de la merde. Putain, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait des trucs ici. Truc de fromage. Moi, on s'en bat les couilles. Perruque de Timmy. Ouais, ceinture d'armes. Réduit les défenses. Ouais, c'est pas mal ça. Attaque supprime 3 boucliers en plus. En fait, c'était pas mal les trucs de défense là. Patch d'haltérophilie, l'aptitude font 10% de dégâts en plus. T'as, en fait, il y a tellement de magasins que j'avais pas vu en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y aurait les chiottes, à mon avis, le Shin Pokémon. Putain, mais où est-ce qu'il est le dernier? Enfin, le dernier. C'est pas le dernier, mais le truc, le Shin Pokémon qui est par là. On va bien le trouver, bordel de Dieu. Alors. Il faut être Sirius. Ah, il doit être devant, je l'ai pas vu. Kyle is so lucky to have so many nice neighbors his age. Ils sont vite concombres avant de se coucher. PTA will call on you should we need you again. That's the last time tire la chasse. Ah, peut-être qu'il y a un truc en tirant la chasse, on va voir ça.
En fait, je me rends compte que je parle à personne en fait dans le jeu. Tiens la chasse. On va chier partout, hein. Ah, on peut pas là. Non, on peut pas tirer la chasse, hein. On est à combien? Je suis à plus de 100, c'est sûr. J'en suis à combien? J'en suis à 104. Et tu parles de psychiatre, tu parles, mais le concombre, c'est tellement bon pour la peau. Moi, c'est pour ça que j'ai la peau. J'ai ni la peau sèche, ni la peau grasse, et un bon petit teint sympathique derrière ma barbe. C'est parce que je me fais des masques au concombre tous les week-ends. Sérieux? Et je les mange derrière. Ouais. Ouais. Ouais, non, bah. C'est, les chiottes sont bouchées. Bon, vas-y. Ouais, c'est dommage en fait. Tu vois la vie, mais. Ça manque de vie en fait. Peut-être qu'il y a un truc Théo, là. Théo utilisait la crème dépilatoire pour ses couilles après il la mange. Il est bizarre dans le geste. Bah, en même temps, c'est le stagiaire de Paul. T'attends à quoi? En même temps, pour être stagiaire de Paul, faut. Waouh, faut avoir envie, hein. Déjà être stagiaire à Webedia, putain, c'est chaud, mais stagiaire de Paul à Webedia, faut vraiment soit avoir des coronesses, soit avoir envie. Hein. Où est-ce que je suis là? Ah, je suis une Pokémon là, j'ai l'impression. Quand je récupère, je vais prendre la poudre de gnome. Oh non! Le poisson qu'on t'a? Putain, la 4G est vraiment dégueulasse. C'est quoi, s'il y a une quête secondaire ici? Et c'est Théo. Comment je lui parle à lui? Il a absorbé. Il s'est endormi quoi? Très bien. Bon, un peu déçu quand même de la fin. Fin de la fin. Du poste. Ça manque de quête secondaire à débloquer quoi. C'est du genre, hey, remettre, je sais pas, le silence. Enfin. C'est dommage. Alors du coup, allons truc de poste. Je crois que j'ai débloqué toutes les clés finalement. Alors voyons voir. Que j'étais bon. Moi je m'occuperai de te reballer à l'infini, ça me fait plaisir, c'est cadeau. Alors j'ai pas eu le temps de lire, putain. Tu m'as dit, t'inquiète pas, je vais demander à Karaté de me déban. Ah, t'as daronne, je vais te reban derrière. Tu vas faire quoi? Putain, les mecs, ils ont tellement pas de couilles qu'ils sont obligés de demander à quelqu'un d'autre pour les débannir quoi. Ce que je vais faire, c'est que je regarderai le chat de Karaté et je te bannerai gratos pendant les streams de Karaté. À l'infini. Jusqu'à ce que tu vomisses ta bile. Ah non, mais c'est ouf, comment les gens, tu sais, c'est même pas, il assume, c'est. Tu vois, le mec, c'est. Oh, je m'écrase, je vais demander à Karaté. Ah, les suceurs, quoi, c'est ouf, ça. Hein. Oh là 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 là, c'est. Ah, c'est dommage, hein. Putain, obligé de sucer pour exister, c'est ouf, ça. Ah, ça me rend triste, hein. Voilà, c'est une idée. Alors, je vais essayer les autres nez, tiens, par curiosité. Alors, j'ai le quoi, cartilage et narine pour les nez. Ouvre ton micro, il paraît qu'on t'entend pas en fait, Yamatal. Il est ouvert mon micro. On t'entend pas bien en fait, il paraît. Bah, je sais pas, c'est bizarre. Tu veux vérifier le mix, Théo? C'est de cartilage comme ça, oh, yes, ça fait quoi? That would look great on you. All right, go on through. Door to your right. Alors, voyons voir. Et changer de nez. Dr. Tom, understand you want some work done. Just have a seat right here. Ah waouh, le son est super vénère là. Attends, mais Rosemary est super vénère. Here we go. What? Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need. Ah, mais en fait, il n'y avait pas le routing dans le micro. Ah putain, en fait depuis le début on s'entendait pas. C'est ça. Ah putain, j'ai plus une David Asseloff. Oh putain. Bon, bah en tout cas dans 5 minutes vous retrouvez en tout cas Alex Leak pour je ne sais pas quoi il va jouer. Vous allez voir ça. On se retrouve demain matin pour du SF5. Des bisous. À demain matin pour de la bagarre. Allez, tchou.